Abdul Usman. Après. Je sais pas si on est engagé, hein. Tu es là? Là, je suis là. Ça va. Désolé, il y a un autre monde aussi qui voulait suivre en même temps que vous ici. Il ne faut pas que mon image devant vous... Abdul, Yane. Ça va? Ou bien tu penses que je ne t'ai pas répondu? Oui, comme tous les autres. Ça va? Camarades du comité de paix de l'USM, camarades du comité exécutif de l'IRU, chers camarades délégués généraux des différentes commissions de parlement de l'IRU, chers camarades délégués généraux des différentes facultés qui constituent cette glorieuse institution, chers parents, leaders politiques, camarades, tonton et son excellence, bonsoir. Comme il est de l'habitude de la commission des exposés, conférences et débats, aussi longtemps que le besoin se fait sentir de se battre pour que la lumière jaillit partout, pour que la justice remplace l'injustice, pour que la vérité rayonne à la place où régnait un monde de mensonges. Nous avons décidé d'aller au-delà de nos capacités, parce que depuis les années 90, l'engouement que nous trouvons aujourd'hui avait un moment donné disparu. Voilà pourquoi je tiens d'abord, avant de commencer, à rappeler à l'ensemble des camarades de la grande vague de l'Ienoune, vous êtes en train de dessiner une histoire qui restera gravée, écrite en lettres d'or et en lettres majuscules. C'est l'histoire qui vient. Voilà pourquoi je souhaite pas toucher à votre sensibilité, mais demander votre sens élevé de responsabilité. Comme on a l'habitude d'organiser le débat dans les règles de l'art, de l'éthique et de la déontologie. Nous demandons aux hommes, c'est parce que c'est ça aussi le grand homme. Le grand homme, c'est aussi celui-là qui est capable d'être au-delà de ses émotions. Nous vous demandons, s'il vous plaît, que nous organisons ce débat comme on l'a toujours fait. S'il vous plaît. Je suppose que le message a pu passer. Alors, l'organisation au nom de laquelle nous sommes en train de crier, et nous continuons encore à crier et à décrier, est une organisation qui a connu beaucoup de martyrs. Des hommes qui se sont levés, des hommes qui se sont battus corps et âme, des hommes qui ont donné leur vie pour que nous nous survivons. Au nom de ces hommes, nous demandons à tous et à chacun d'observer une minute de silence et de prière à la mémoire de ces hommes. Thank you.
mes très chers compatriotes. Le grand frère, ta tête là va risque de. Nous sommes réunis ce soir, un soir qui va s'inscrire justement dans l'histoire de tout un chacun de nous. Parce qu'à l'USN, il existe une tradition. Cette tradition qui consiste à regarder ses frères, sinon ses enfants, et dire qu'à un moment de grands hommes. Et parce que les grands hommes, c'est qui les différencie du commun. C'est que le grand homme, il porte en lui le fardeau d'une grande responsabilité de réaliser l'universel. Alors, voilà le sens dans lequel s'inscrit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'émission face à la jeunesse est en train de briser et de braver les frontières. On parle de nous partout dans ce monde. Nous sommes en train de vivre presque dans tous les états du monde ce que nous appelons la démocratie. Mais le plus souvent, surtout chez nous, on constate que cette démocratie se trouve en panne. Parce que tout simplement, un principe directeur que l'on appelle le dialogue politique se trouve le plus souvent en panne. Voilà pourquoi l'étudiant, comme pour toujours, se donne la mission et la responsabilité d'éveiller, d'émerveiller et sinon d'éclairer la société. Voilà le sens dans lequel nous avons inscrit effectivement cette activité. Une activité dont il faut le rappeler, il faut saluer le comité exécutif de l'ONU. Parce que pendant longtemps, l'USN aurait dû, sinon les sections de l'USN auraient dû s'inscrire effectivement dans cette logique. Je peux vous dire que peut-être sur la première fois de l'histoire. Et c'est ça aussi, en fait, ce que l'on appelle généralement le syndicalisme. Il faut rêver, il faut se nourrir de l'utopie, penser à ce qui n'existait pas pour voir si cela pourrait exister. L'histoire est en train de nous donner raison. Cette nostalgie, effectivement, a fait en sorte que, tout à l'heure, vous entendez parler quand surgira l'homme, quand les ténèbres dissiperont, quand la justice sera pour tous, quand la vérité jaillira. Alors, c'est effectivement en inspiration à cette conception du monde que nous avons inscrit effectivement cette activité. Nous voulons qu'un jour, que tout soit clair, que la justice soit au rendez-vous, que la liberté et la vérité soient effectivement des principes directifs. Voilà pourquoi. Nous voulons à cette occasion qu'on dise qu'il y ait de la lumière. Je ne sais pas s'il va falloir que, comme le dit Platon, que les rois deviennent philosophes ou que les philosophes deviennent rois. Encore aujourd'hui, nous avons un problème. Contrairement au principe de l'ISN, tel que nous pouvons le remarquer au niveau de l'article 2 de notre cadre, des textes de notre cadre organisationnel, l'ISN se donne comme objectif, justement, d'édifier, d'éduquer et sinon, la mission d'éveiller la société, d'éveiller les masses, ceux-là qu'on appelle au temps de Marx, la foule, sinon qui est pauvre politiquement, misérable économiquement et socialement démunie. Nous avons la responsabilité de les aider. Alors, chers camarades, il faut le sens de cette assemblée, c'est que nous voulons à ce que, comme on l'a toujours remarqué, à travers ce qu'on appelle le système de la, sinon le principe de la. Le principe de la contradiction, ce que l'on appelle le centralisme démocratique, la contradiction au service de la vérité. C'est exactement un des sens dans lesquels nous avons initié cela, comme on l'a su remarquer des 5 kilos à Lénine jusqu'à nos jours. Il faut aussi le dire, un élément important, nous nous sentons devant notre devoir de génération, tel que nous avons l'habitude de le chanter à travers Franck Fanon, qui dit que chaque génération, dans une partielle opacité, à une mission relative, ou partielle, c'est la même chose, à une mission à accomplir. Soit qu'elle accomplisse, soit qu'elle la trahit. Et nous, nous avons choisi de l'accomplir pour ne pas être jugé par le tribunal impitoyable de l'histoire. Alors, le choix, c'est que nous voulons, dans le cadre des élections, nous voulons à ce qu'il y ait un choix rationnel, un choix sans émotion, un choix objectif, un choix à la base d'un programme politique. Un choix à la base d'une profession de foi. Un choix à la base d'un projet de société. Il est temps, et il est grand temps d'ailleurs, de mettre fin à l'émotion. La propagande ne peut pas marcher. Le populisme ne peut pas marcher. Il faut une forme de communication basée sur ce qu'on appelle justement notre compréhension. Enfin, nous pouvons dire qu'en un mot, nous voulons dire notre mot à l'histoire. À un moment donné, je parle sous le contrôle de notre invité. À un moment donné, vers les 1800, un certain Hegel,
un Allemand d'ailleurs, c'était Lévy. Et il a dit que l'Afrique n'a pas encore dit son mot à l'histoire, que l'Afrique n'a pas d'histoire, que les Africains n'ont pas encore compris que la nature est contre eux, que les Africains sont dans un état de barbarie et de sauvagerie qui les empêche de comprendre et effectivement ce qu'ils sont. À partir d'aujourd'hui, nous, nous sommes en train de dire notre mot à l'histoire. Et cela est incontestable. Donc voilà pourquoi nous avons choisi justement d'organiser tout cela. C'est tout à fait normal. Donc, pour ne pas prendre le débat en otage, nous rappelons que comme d'habitude, nous avons des intervenants. Nous avons des gens qui vont poser, comme la loi du débat l'exige, des gens qui vont, des camarades qui vont poser effectivement des questions concernant effectivement la gestion de la cité, au sens aristotélicien du terme, et de l'État au sens moderne. Alors, les camarades vous poseront effectivement son excellence des questions selon les différents secteurs de la vie. Le premier camarade, il s'agit de celui qui va parler justement du domaine de l'éducation, donc le système éducatif. Il s'agit de Hamidou Oumarou Nouraïni. Il est en master 2 histoire, option histoire politique et sociale. Il travaille sur un thème, les tests de démocratie dans les milieux sorailles. Il faut le rappeler, récemment c'est celui qui a gagné à la faculté de lettres et sciences humaines. Il est l'un des lauréats, bien sûr, de ce que nous avons appelé les débats interdépartements. Et enfin, donc deuxièmement, il s'agirait de la question de la sécurité, sinon de l'insécurité. Ce sont les deux questions en même temps. Le camarade qui se chargera de cette question s'appelle Halidou Zakari Mahamadou. Il est un master de philosophie, culture et communication. Option histoire et philosophie des sciences. Ce que nous appelons épistémologie. Il travaille un peu sur la philosophie politique. Donc, la troisième camarade, il s'agit de celle qui va nous parler du genre, du chômage, effectivement des jeunes. Il s'agit de Maman Chitou Mariama. Elle fait trois carrières judiciaires. Elle est la déléguée générale de la commission des affaires féminines. En fait, le quatrième camarade va entretenir avec vous sur ce qu'on appelle les droits et les libertés et les collectivités territoriales. Effectivement, il s'agit d'un juriste, Souman Ahama Sidibou, dit barista. Il fait section donc L2 droit, c'est le DGA de la CEBAM, commission de la bibliothèque à Moment Seguir. Le cinquième camarade vous parlera de l'économie et de la gestion. Il s'agit de Raphaël Mohamed Gobi, qui fait master en économie et il suit en même temps une formation en ingénierat dans une grande école nationale de la statistique. Alors, le cinquième ou le sixième camarade va vous entretenir avec vous sur le système sanitaire. Il s'agit de Adjan Alama Mohamed, sixième année d'études médicales. Donc à la faculté des sciences de la santé. Alors, mais avant de vous donner la parole, comme d'habitude, nous allons demander à un des représentants du comité directeur de dire un mot à l'endroit de cette assemblée. Donc, le camarade CP est là. La grande base de l'Héroul, la base la plus responsable d'elle. Donc, il y a le camarade secrétaire général, excusez-moi, les roues d'abord. Camarade de la commission exposée aux conférences débat, chers invités, monsieur le président Bazoum Mohamed, camarade de l'État de l'ONU, recevez en toute cordialité toutes mes salutations les plus sincères. Chers camarades, comme il est de coutume, nous avons l'habitude de le dire et de le rappeler,
que cette activité initiée par la CECD de Lyon, le camarade délégué général de cette commission a eu à développer un certain nombre de points sur lesquels je n'aimerais pas revenir. Mais il sera aussi important de faire un certain nombre de rappels. Chers camarades, chers invités, cette activité rentre effectivement dans le cadre de la formation syndicale, politique et idéologique des militantes et militants de Lyon. Nous avons initié cette activité en tant que comité exécutif de Lyon, comme nous l'avions dit la fois dernière, et qu'aujourd'hui, je risquerais de faire de la redondance. C'est pour, en tant qu'étudiant, en tant que citoyen responsable, apporter notre contribution à notre façon à nourrir cette démocratie aujourd'hui qui est en panne, comme l'avait dit le délégué général. À apporter notre contribution à cette démocratie à l'époque où l'ISM a été l'avant-gardiste pour acquérir cette démocratie. Aujourd'hui, nous, en tant que génération contemporaine, nous avons l'obligation de consolider et de sauvegarder cette démocratie. Malgré les tares et les avatars aujourd'hui qui animent la classe politique nigérienne actuelle, nous nous sommes dit que la seule solution face à cette démocratie, le seul remède, c'est le débat politique. Parce que tout simplement, le débat est pour la démocratie, ce que le sang est pour le cœur. Donc il va de soi qu'effectivement, d'une manière naturelle que nous puissions dialoguer autour de notre démocratie qui est malade. Et en tant qu'étudiant aujourd'hui, chers camarades, je terminerai par vous dire que cette initiative que nous avons initiée en tant que comité exécutif, d'une façon délibérée, d'une façon indépendante, d'une façon aussi autonome, elle est inscrite dans l'ordre historique de notre pays, sinon dans l'ordre démocratique de notre pays. Parce que soit nous aujourd'hui, ou d'autres personnes qui seront au comité exécutif de l'ONU dans les prochaines années, nous osons espérer que cet acquis, nous allons les consolider. Parce que ces hommes politiques, ces leaders politiques auxquels nous avons appelé pour animer ce débat, nous espérons que demain, on peut les appeler pour les amener ici, face aux étudiants, face à la jeunesse, pour les demander qu'en est-il de la question de l'éducation, qu'en est-il aujourd'hui de la question des conditions qu'il va falloir mettre les étudiants dans les études pour que nous puissions amener. Donc, chers camarades, nous vous disons, qu'il soit nous ou un autre comité exécutif, cet acquis s'inscrit dans le cadre de l'acquis matériel, dans le cadre de l'acquis immatériel de notre gestion. Donc nous espérons que les camarades en tireront profit dans les prochaines années. Parce que nous vous disons ici et nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin que même demain, c'est pas cela, notre action ne se limite pas uniquement pendant les élections. Nous allons continuer pour entretenir cette démocratie, pour continuer à lutter dans le cadre de cette démocratie, pour amener les hommes politiques à s'intéresser de l'intérêt général suprême de notre nation et les interroger toujours et pour toujours par rapport à la question démocratique, par rapport à la question du système éducatif, par rapport aussi aujourd'hui aux conditions de vie et d'études dans lesquelles végètent les fils du paysan au sein des universités publiques d'une manière générale et au sein de l'université Abdoumou d'une manière particulière. Donc, chers camarades, je terminerai pas sans remercier nos différents invités qui se sont succédés ici. Je terminerai pas aussi sans remercier, encourager une fois de plus, la CECD qui continue à œuvrer sans relâche pour que ce cadre-là puisse être créé. Je rappelle que c'est des camarades qui continuent jour et nuit pour satisfaire ce débat-là. Donc, à ce moment précis, je crois qu'il mérite une mention spéciale par rapport à cela. Donc, que le débat soit effectivement et au rendez-vous. Je rappelle aussi à l'invité que la place AD, c'est un cadre de débat où on convoque ou on reconvoque la contradiction au service de la vérité. Vous serez en face de vous, vous aurez en face de vous des camarades qui essaieront de toucher là où ça fait mal. Et je crois que c'est ça aussi le débat démocratique. Vous aurez en face de vous des camarades qui vont vous interroger sur la gestion de la cité au sein de notre pays et que vous allez apporter des réponses par rapport à cela. Sur ce, je vous remercie. Merci, camarade SG, de la pertinence. Donc, nous allons à présent passer la parole au camarade SCP, notre comité directeur transitoire. Merci. Camarade de la grande base souveraine de Yenoum,
cher Tonton, cher Président, chers invités, que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant soit sur nous tous. J'aimerais très sincèrement commencer par encourager notre invité du jour. Beaucoup avaient dit qu'il n'osera jamais venir à la place AB. Mais aujourd'hui, il est là, ici même, à cette place AB. Et ça, cela témoigne du courage qui caractérise le camarade président qui est là. Et si vous vous rappelez Platon, quand il parlait des quatre valeurs, n'est-ce pas? Les quatre valeurs cardinales, le courage fait partie des qualités qu'un dirigeant doit avoir. Pour aller directement par rapport à l'ordre du jour, nous sommes là. Si vous vous souvenez, chers camarades, l'USN a mené le combat. L'USN a mené des luttes acharnées pour qu'on puisse avoir la démocratie. Et il revient à l'USN de continuer le combat pour que les valeurs démocratiques puissent s'ancrer au sein du peuple. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre à travers ces genres d'activités pour que les scolaires jouent le rôle, n'est-ce pas, qui leur est dévolu par rapport à l'ancrage de la démocratie dans ce pays. Un philosophe du nom de Jean-Louis Alibert, dans la psychologie des passions, disait ceci: la reconnaissance est l'une des vertus les plus élevées et les plus nobles de la nature humaine. C'est pour cela, à cet instant, je m'aimerais profiter, et même Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, tout celui qui ne remercie pas les hommes ne peut pas remercier Allah. En tant que secrétaire général, en tant qu'ancien secrétaire général, j'ai eu à gérer, et vous êtes témoin de la gestion. Et pendant cette gestion, chers camarades, il faut le dire, je dois être reconnaissant et témoigner d'un certain nombre d'accompagnements que le président ici, en tant qu'ancien ministre, a eu à nous accompagner. La première des choses, camarades, vous vous souvenez de la crise des enseignants-chercheurs. Vous vous souvenez de cette crise qu'il y a eu pendant 2 années, où il y a eu une crise des enseignants-chercheurs. Il a fallu l'implication du président ici présent pour qu'on puisse trouver un accord autour de cette question-là de la grève des enseignants-chercheurs. Deuxièmement, si vous vous souvenez ici, mes chers camarades, pendant la question du Covid, tout en avait refusé le paiement de votre mandat, il a fallu son intervention. C'est un devoir pour nous en tant qu'être humain d'être reconnaissant de ce qui a été fait. Ici même, chers camarades, pendant le mois de carême, vous vous souvenez, pendant le mois de carême, il y a eu la gratuité au restaurant. Pendant plusieurs mois, et c'est le président qui a mené le combat. Je sais que cela va faire mal à certains camarades, mais la vérité, il faut dire la vérité, même si elle va crever les uns et les autres. Maintenant, par rapport à tout cela, par rapport au système, et même actuellement, la réponse qui est là, m'arrêter ici en interpellant une dernière fois
disant une dernière chose. Si aujourd'hui le Niger est dernier, c'est parce que pendant plusieurs années, notre pays a été exploité. Jusque-là, il y a ceux qui continuent à exploiter notre peuple. On ne peut pas remplir un seau qui a un trou, chers camarades. Quel que soit l'eau que l'on va verser dans un seau, quand il a un trou, le seau ne va jamais se remplir. Voilà pourquoi nous savons que le camarade président qui est là est vraiment courageux. Nous lui demandons de prendre son courage, de prendre son courage pour arrêter tous ceux-là qui sont en train d'exploiter le peuple nigérien. Fidel Castro l'a dit, je termine par cette situation. Il dit, l'exploitation de l'espèce pauvre pour les peuples ricos, démessissable. Si réellement nous voulons que notre pays se développe, il faut arrêter l'exploitation. Voilà pourquoi nous sommes des panafricanistes et nous défendons cette idéologie et nous demandons au président de faire le combat pour que le Niger retrouve véritablement sa souveraineté, car c'est le gage de notre développement. Sur ces chers camarades, je souhaite que les débats soient fructueux et je demande à la grande base, Aoussa Kekia, Bakwanka Alanka, on a des invités, on doit se comporter comme vraiment des responsables pour ne pas ternir notre propre image. Ça, je sais que je peux compter sur la grande base de l'ONU, que le Tout-Puissant nous aide davantage. Sur ce, je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons avec nous notre invité, Mohamed Bazous, qui était à un moment donné à la place où nous sommes aujourd'hui. Donc, un universitaire, un défenseur des libertés, de la justice. Ce sont les hommes qui ont fait leur preuve à un moment donné, il faut le reconnaître, dans le combat panafricaniste. Et il n'y a pas. Ceux qui n'ont pas subi, selon l'histoire, parce que c'est ça aussi le problème de l'histoire. L'histoire était, l'histoire non, l'histoire française, l'histoire archive. Et nous avons appris que vous avez l'habitude de faire trembler des amphithéâtres. Vous avez l'habitude de faire trembler des pays. Vous avez l'habitude de faire trembler des dirigeants, effectivement, qui ne sont pas sur la voie de la vérité. Voilà pourquoi nous vous appelons aujourd'hui, camarades. Au nom de la lutte que vous avez eue à mener, au nom de l'obédience panafricaniste qui caractérise justement l'USN. Alors, il a été également homme politique, il est homme politique, et il a été ministre de beaucoup de postes. Bon, il a occupé beaucoup de postes politiques pour parler de présentation. Alors, laisse passer. Voilà ce que nous allons faire. S'il te plaît, laisse passer là. J'ai pas ces éloges là. Quel camarade. Dans Allah. Mais il faut arrêter aussi la redondance. Au nom de cette responsabilité dont on est en train effectivement de vous caresser dans tout le monde, on parle de votre responsabilité. On dit que vous êtes en train de faire ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Au nom de cela, s'il vous plaît, ne gâchez pas l'image des étudiants. Arrêtez de faire, s'il vous plaît, par la garde. Camarades militants et militants de l'ONU, chers invités, camarades anciens cadres, chers marxistes, léninistes et anti-impérialistes, chers camarades de toutes les formes et couleurs de la révolution, bonsoir. Chers camarades, comme à mon habitude, avant que le débat ne débute, j'ai pris le loisir souvent d'apporter toujours des éclaircissements sur la façon par laquelle ces différentes activités se tiennent. Je tiens honnêtement à vous avouer que la CSCD en tant que telle n'a aucun parti pris dans ce pays. Et il n'existe pas un seul, je dis bien un seul parti par rapport auquel on ne peut pas le regarder devant les yeux, devant Dieu, devant l'histoire et devant les hommes pour dire ce qu'il faut, comme il faut et au moment qu'il faut. Mais je dois aussi, chers camarades, vous dire que la circonstance qui nous réunit aussi ici, c'est celle de parler des visions futuristes pour le Niger. Je dois vous dire, chers camarades, cette activité, comme le camarade délégué général l'a dit, s'inscrit dans le cadre de l'histoire de chacun d'entre nous. On aura, si effectivement notre invité nous offre une autre occasion, d'autres circonstances pour parler de ce que vous voulez. Nous n'aurons aucun crédit de conscience à le faire. Mais pour le moment, il s'agit
que certains de nos camarades puissent poser des questions qui vont sortir notre pays de l'ornière. Je vous invite à scrupuleusement écouter notre invité et surtout à prendre note. Parce que même si vous ne le faites pas, l'histoire en prendra note. Et je vous assure, d'ici janvier, nous allons commencer à suivre les notes de l'histoire. Parce que, chère excellence, invité, tout ce que vous allez dire ici est enregistré par les hommes, mais surtout par l'histoire. Et nous allons le ramener, Inch'Allah, et nous souhaitons, parce qu'il faut le dire, notre souhait, aujourd'hui, avec cette activité, c'est de ramener l'étudiant patriote. C'est de ramener l'étudiant qui, lorsque le gouvernement va engager des mouvements pour soutenir nos parents, que nous soyons des soldats, que nous puissions faire de ça un service militaire pour nous accompagner. Mais il faut aussi savoir que lorsque la ligne directrice telle qu'elle a été transcrite par les Marx sera déviée, nous allons revenir devant l'histoire, comme je l'ai dit, et devant les hommes. Je précise que la façon que vous voyez les camarades, surtout de la CASO, mais surtout cette table à rouge, et ce que nous appelons le sang culottissé. Il s'agit là du sang de nos martyrs. Pour vous dire que ce que nous sommes en train de vivre est plus grand que nous tous ici. Je vous appelle, ces camarades, à écouter scrupuleusement, à tout respect. Il existera et il va exister d'autres circonstances où le débat sera posé en toute franchise. Maintenant, j'aimerais demander une dérogation à tous ici. Parce qu'il existe un camarade qui a eu à apporter sa contribution pour ce cadre, qui a effectué le déplacement depuis le pays de Cheikh Anta Diop pour effectivement participer à cette circonstance. Chers camarades, veuillons ensemble en quelques minutes accueillir le camarade Abou Koyle Abdelkader pour qu'il puisse effectivement placer quelques mots en 2 minutes. Merci, camarade de la commission exposée conférence et débat. Et je m'attendais en tout cas à faire mon intervention après la communication de notre cher invité. Je ne sais pas si on peut respecter le protocole de cette façon-là ou bien si je dois continuer à intervenir. D'accord, le modérateur m'a donné 10 minutes. J'aimerais, dans les 10 minutes, d'abord saluer cette initiative. Ensuite, saluer la présence de cette place du président Bazoum. Vous savez, j'étais l'un des uns qui était réticent à l'idée d'organiser cette activité parce que dans ce contexte, la place Ahmed Boubacar est composite. Il y a plusieurs sensibilités. Il y a certains étudiants qui ont leur position politique, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui ont des affinités, qui ont des liens. Mais une chose nous unit, c'est les intérêts de notre pays. Vous savez, tout le monde affirme que cette place, que la démocratie, c'est le fruit du combat de l'ISM. Et je suis parfaitement d'accord que cette activité s'inscrit dans le cadre de la pérennisation de ces acquis. Permettez-moi de vous dire, sur cette place, il faut que chacun ait l'amabilité d'écouter l'autre pour que, enfin, les étudiants se posent des questions afin de savoir est-ce que ce que nous avons dit vrai ou pas. J'aimerais parler de certaines choses. Par rapport à la présence parmi nous du président Bazoum, vous savez, je dois raconter une anecdote. J'ai connu l'homme à cette place, Ahmed Boubacar, en 2009, quand j'étais en première année du droit. Et c'était dans un contexte extrêmement difficile, parce qu'en ce temps-là, la société civile organisait des manifestations suite à certaines décisions prises par les députés à l'Assemblée nationale. Je me suis dit, c'est quand même un pari risqué pour un député de venir faire une communication sur cette place, Ahmed Boubacar. Et nous étions surpris par l'éloquence avec laquelle le député d'alors, Bazoum Mohamed, avait animé sa communication et c'était très instructif. Je voudrais vous dire un autre élément par rapport à la personne du président Bazoum. Comme j'ai deux minutes, je dois vous dire certaines choses. Je dois vous dire. Tu as écoulé les 2 minutes. Pour pouvoir gérer le problème. Et nous faisons face à lui. Et je vous assure,
Moi, personnellement, j'ai connu plusieurs gestions. J'ai fait le collège pendant la 5e République et j'ai fait l'université pendant la 7e République. Et je peux vous assurer qu'il y a des candidats qui peuvent venir ici dire que si les étudiants existent et respectent, c'est grâce à eux. Mais nous connaissons tout et on connaît qui est qui. Et je vous assure, le président Bazoum qui est là, je n'ai pas de complexe à lui. Deux minutes, il faut respecter là. Respecter leur, c'est aussi ça la responsabilité, la prise de conscience. Comment chers camarades, s'il vous plaît. Je dois encore rappeler, chers camarades, que je vous assure. Ils sont comme ça. Je vous assure, la communication va être intéressante. Parce que personnellement, je veux vous garantir et vous pouvez garantir avec moi que notre invité, dans le sens que la communication est effectivement assez posée. Et nous avons beaucoup à gagner en l'écoutant. Mais je respecte aussi l'intelligence et la pertinence de mes camarades. Mais lorsqu'il y a assez du bruit par-ci et par-là, je pense que le débat ne peut pas être mieux. Nous allons, je dois m'agenouiller, s'il vous plaît, camarades, pour vous dire que chacun, parce que je sais pourquoi je le dis, suivez mon regard, que chacun prenne note. Et je dois aussi demander à mes camarades d'être le plus dur possible avec notre président. Parce que je vous assure, j'ai eu l'occasion de l'écouter, ce n'est pas des éloges, c'est juste une vérité assez transcendante, il ne vous fera pas cadeau. Donc, soyez le plus dur possible et que les débats soient au mieux. Donc, merci. Donc, on va procéder au débat. Camarade, s'il vous plaît, le camarade André a rappelé, a dit un truc tout à l'heure, je vous rappelle. Quand vous parlez de la réponse, s'il vous plaît, camarade, s'il vous plaît, camarade, le chantier de la réponse, le chantier de la réponse, l'homme qui est à la base de cette œuvre, cette grandiose œuvre, cette œuvre salutaire et salvatrice, c'est Alhaj Ibrahim. Et il l'a dit, vous n'avez même pas applaudi. C'est un particulier. Il n'a rien à voir, il n'a aucun intérêt au niveau des étudiants. Et il s'est constaté, il s'est investi. Vous aurez dû au moins avoir l'amabilité de lui reconnaître ça. Vraiment, il y a un peu derrière. Merci. Déjà. Merci, vraiment. On vous profite pour demander à nos chers parents, tous celui qui voilà, effectivement, nous demandons votre bonne avec la population des étudiants venus si nombreux ce soir et certainement à toutes les autres occasions pour qu'il y ait un échange que j'espère fructueux. Je viens ici sans aucun complexe en me disant que
j'aurai l'occasion de répondre à des questions qui vous tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur tous les citoyens. C'est vrai, en effet, ce n'est pas une pratique usuelle que les responsables politiques se retrouvent ici, sur cette place, à l'effet des échanges auxquels nous sommes conviés ce soir. C'est une tradition que vous allez instaurer. Vous aurez eu le mérite d'y songer et ce sera à votre honneur que cette pratique s'institutionnalise, qu'elle comporte d'autres formes diversifiées, mais dans l'objectif de toujours créer les conditions de la discussion et du dialogue. Ce dialogue, il va toujours être profitable à ceux qui le nouent. Il sera profitable à ceux qui sont invités, mais il sera aussi profitable à ceux qui les écoutent et ceux qui leur posent des questions. Dans d'autres pays, ce sont des choses qui se faisaient, mais avec le monde actuel dominé par le numérique, les réseaux sociaux, il y a une tendance à la socialisation des comportements et même les échanges intellectuels ne sont pas très courants et ne répètent plus la forme de ce contact direct physique qu'on peut avoir comme à l'occasion de la discussion de ce soir. Je suis venu ici avec la ferme intention de répondre à toutes les questions que vous soulevez sans démagogie, de la façon la plus réaliste, et je m'efforcerai d'être concret, je m'efforcerai d'être compris, je m'efforcerai de faire en sorte que il y ait une véritable dialectique entre vous et moi. Voilà donc si mon propos liminaire de vœux consistait dans ce que je viens de dire, qui consiste à apprécier l'initiative, ce que j'ai à dire. Si il m'était possible de dire un mot de mon programme de façon liminaire avant les questions, je suis bien disposé à le faire. Mais si le protocole que vous avez mis en place commande que nous ne fassions pas d'exposé liminaire, mais que nous répondions directement aux questions que vous nous posez, j'accepterai volontiers cette règle-là et je m'y soumets avec beaucoup d'aisance. Merci. Donc, voilà. Pour étendre et conserver encore la loi de l'égalité, telle que la démocratie elle-même l'existe, avec l'ensemble des intervenants qui ont pu passer avant vous, ont été effectivement soumis à cette dialectique, donc débat, donc inter. Voilà. Donc, mais si vous le désirez, on va vous donner ne serait-ce que 4 minutes pour dire un mot par rapport à votre programme. Moi, je suis prêt à faire une introduction liminaire. Si votre protocole le conçoit, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je le ferai. Je vous l'ai dit. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Non, ça importe peu, de toute façon, vous m'arrêterez quand vous voudrez. Je vais résumer. Notre pays est confronté à 4 défis. Je le résume à 4. Il y a un 5e sur lequel, dans l'introduction, je ne m'apesanterai pas. C'est celui de l'insécurité. C'est
certains phénomènes qui n'est pas structurel. Et je consacrerai les réponses que va commander la question qui me sera posée par la suite. Le grand défi de notre pays, ce n'est pas par ordre d'importance que je vais les citer, c'est le défi de la gouvernance. Comment faire en sorte que nous ayons un régime qui respecte les règles de l'État de droit. Ça, c'est un grand défi. C'est le défi des défis en vérité. J'aurai l'occasion, à l'occasion des questions qui me seront posées, d'apporter les éclairages qu'il faut selon les thèmes qui seront abordés à cet égard. L'autre défi, c'est celui de l'éducation. J'ai l'habitude de dire que si vous construisez un centre de santé dans un village, que vous y apportez un infirmier formé dans n'importe laquelle de nos écoles de formation d'infirmiers, vous l'y installez, vous lui donnez un minimum de moyens et qu'il produise ce service-là de soigner les communautés, les populations. Au bout d'un certain temps, quand vous venez, vous demandez aux populations ce qu'elles pensent de ce qui a été fait d'avoir amené un infirmier qui leur produit les soins. Elles vous diront que c'est une bonne chose. Elles apprécieraient ces prestations parce que leur vie changerait à certains égards, en tout cas pour certaines pathologies. Elles n'auraient plus besoin de parcourir les distances qu'elles avaient l'habitude de parcourir pour aller se soigner dans des centres où ce service était habituellement délivré. En revanche, si vous ouvrez une école, vous y mettez des enseignants qui assurent une formation, même dans les conditions physiques de qualité, c'est-à-dire pas forcément une école sous paillotte, mais une école en matériaux définitifs équipée comme il se doit, vous passez 16 ans d'enseignement dans cet établissement, vous revenez demander aux populations qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir ouvert une école. Le plus souvent, elles vous diront qu'elles ne sont pas satisfaites. Parce que tout simplement, il ne suffit pas en effet de construire une classe, de l'équiper, d'amener un enseignant pour croire qu'on équipe ou qu'on est capable d'assurer un enseignement qui favorise l'apprentissage. Parce que très souvent, en effet, les enfants sortis de nos écoles dans ces conditions, même les plus courantes en tout cas, sont des enfants qui n'apprennent pas grand-chose. Et donc, par conséquent, il y a un problème. L'enseignement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et tant que malheureusement, on n'apprend pas grand-chose à l'école, on n'est pas préparé à quelque métier que ce soit et on n'acquiert pas les aptitudes de la production qui est attendue justement du produit de l'école. C'est un grand défi en effet que celui de l'éducation sur lequel je vais m'apesantir volontiers tout à l'heure lorsque nous commencerons notre discussion par ce thème-là. L'autre défi, c'est celui de l'emploi des jeunes. Il est lié, en vérité, à l'éducation. Parce que c'est la vocation de l'éducation dans un contexte de bonne gouvernance. Là, il y a une relation totalement dialectique. C'est la vocation de l'école et la qualité de la gouvernance de faire en sorte que les produits de l'école soient aptes à exercer des métiers susceptibles de produire des richesses et donc d'offrir des emplois aux jeunes. C'est un grand défi que celui de l'emploi des jeunes et c'est un autre grand défi pour un pays comme le nôtre que celui de la démographie, dont la solution, là encore, consiste dans
l'amélioration de l'éducation. C'est par le biais de l'éducation qu'on va lutter efficacement contre le phénomène de la démographie qui annihile tous nos efforts. Vous verrez, les chiffres que je vais donner indiqueront très clairement que nous pouvons être beaucoup plus productifs, produire beaucoup plus de richesses, remarquer, témoigner d'une évolution, d'une croissance du PIB national très forte, mais en même temps, constater que le PIB par tête d'habitant, lui, il recule. Ça paraît contradictoire, mais la contradiction est purement formelle. La vérité, c'est que quelle que soit la quantité de la richesse qui est produite, si par ailleurs il y a une croissance de la démographie qui est au-dessus de la croissance économique ou qui est de son niveau ou d'un niveau légèrement inférieur, cette croissance n'a aucune signification tout simplement et les populations se paupérisent malgré tout. Voilà quatre défis. Tout le reste est une question de ressources à investir tout simplement. Et si vous avez des ressources, vous pouvez les investir et ça va donner des résultats. Vous avez des ressources pour construire une route, vous la construisez. Vous avez des ressources pour avoir une centrale électrique, vous l'avez. Ce n'est pas difficile. Mais ce qui est difficile, c'est bien gouverner. Ce qui est difficile, c'est bien éduquer. Ce qui est difficile, c'est éduquer de façon à créer des emplois. C'est ça les défis qui se posent à nous. Et je voudrais que nous concentrions notre discussion sur notamment ces défis-là. Merci beaucoup. Merci. Donc, camarade Mourey, vous avez la parole. Il va échanger avec notre invité sur le système éducatif. Vous avez 5 minutes. Pour votre introduction, je ne sais pas, on appelle résumé. Et bonsoir, monsieur le président. Et je voudrais commencer cette intervention en disant ceci. Je crois que dans une sourate, on dit la inchakartu, la azidanato. Celui qui sait reconnaître, qui a la reconnaissance dans les cœurs, c'est lui qui reconnaît les efforts faits, mérite qu'on lui ajoute. C'est ce que Dieu dit, j'ajoute lorsque tu me remercies. Eh bien, j'aimerais dire ici, avant de continuer, parce que je me sens peut-être interpellé par rapport à un certain nombre d'interventions qui ont déjà précédé. Je pense que ce n'est pas cela la question. Mais j'aimerais d'abord répondre à Hegel parce qu'il y a aussi une histoire qui nous interpelle. Que lorsque l'Europe était dans la barbarie, l'Afrique émergeait des grands empires qui avaient des organisations sociopolitiques et stables. Donc Hegel doit comprendre que l'homme africain était dans l'histoire avant l'européen. Eh bien, pour cela, je voudrais aller directement dans la question qui nous concerne, qui est la question de l'éducation. Et je pense bien que le président, en soulevant ces quatre défis, avait touché la question de l'éducation. Une question qui, aujourd'hui, constitue la mine des problèmes qui désoriente notre société. Monsieur le Président, ma première question, si vous n'avez pas relevé ce défi, ma première question aurait été quel est votre sentiment actuel par rapport à l'éducation? Vous avez quel sentiment par rapport à l'éducation? Et je pense que il est nécessaire, peut-être que je continue, puisque déjà vous avez relevé les défis, cela sous-entend sérieusement qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. Et sans se cacher, sans se voiler les faces, aujourd'hui, il est question de parler des réalités et non des émotions. Et s'agissant de l'éducation surtout, monsieur le président, ma question principale serait aujourd'hui, il relève d'un constat général, que l'éducation, on assiste à un délaissement du système.
ces délaissements, j'aimerais m'expliciter en disant ceci. Je parle de délaissement parce que tout simplement, aujourd'hui, les écoles publiques nigériennes sont en train de vivre le coup de cette situation. C'est quoi vivre ce coup de cette situation, Monsieur le Président? C'est qu'aujourd'hui, à l'épreuve des faits, même la maîtresse qui enseigne à l'école primaire n'inscrit pas son enfant à l'école publique. S'il vous plaît, comment pouvons-nous penser qu'il y aura une amélioration de l'école publique nigérienne parce qu'elle a été toujours l'école qui produisait les élites de ce pays, aujourd'hui délaissée par les principaux acteurs? Monsieur le Président, si vous serez élu très prochainement à l'occasion de ces élections démocratiques qui seront organisées, quelles seront les perspectives que vous préconisez par rapport à cet état de fait? En termes de perspective, moi, parce qu'il ne s'agirait pas simplement de détruire ou bien de parler sans pouvoir penser à ce que vous avez comme perspective et ce que vous direz. Moi, je dirais peut-être, Monsieur le Président, est-ce que quand vous serez élu président, vous créerez un mécanisme par lequel tous ces leaders, tous ces barons de ce pays feront venir leurs enfants étudier dans les écoles publiques? Parce que il est très intéressant aujourd'hui de nous souligner. Aujourd'hui, l'enfant du pauvre souffre, qui fait que les principaux acteurs ont démissionné du système. Lorsque ce que vous donnez, vous aussi n'avez pas foi en ce que vous donnez, comment espérer une éducation de qualité, parce que c'est un problème qui est sous-entendu. Comment espérer une amélioration de l'école publique, parce que tous ceux qui aujourd'hui sont les élites de ce pays ont passé par l'école publique, parce que c'était la fierté de notre pays. Monsieur le Président, je dirais comme l'est fait dans certains pays, que une fois élu à la présidence, d'interpeller tous les élites de ce pays, de faire en sorte qu'ils inscrivent leurs enfants au même titre que les enfants des pauvres sur les mêmes hangars, les mêmes classes et les mêmes amphithéâtres remplis, pour que l'on puisse espérer au-delà de cela une qualité, une amélioration des infrastructures, une qualité de l'éducation et un intérêt stratégique que les leaders auront donné à l'école publique. Cela, je pense, peut être la solution à ce problème. Monsieur le Président, si vous serez élu président, quelle serait votre position, votre posture surtout vis-à-vis de la gouvernance universitaire? Puisqu'aujourd'hui, il relève aussi d'un constat général que ceux qui sortent de l'université avec leur diplôme, s'ils se trouvent sur la grande porte, ils ont tous les problèmes d'intégration dans les secteurs administratifs, dans les rouages de l'administration, c'est-à-dire les recrutements, c'est-à-dire les matricules, pour rappeler peut-être un problème qui aujourd'hui mine l'université au niveau de l'ENS. Les camarades qui sortent, qui attendent des matricules qui jusqu'aujourd'hui ne l'ont pas. Et cela était dans l'ancien système un principe cardinal qui était respecté. Aujourd'hui, il n'est pas respecté. Je pense bien que vous apporterez une réponse par rapport à cela. Merci, je vous remercie. Merci. Nous allons permettre à quelqu'un de répondre à vos questions. Je peux vous dire la deuxième question. Voilà. Merci beaucoup pour les questions très pertinentes qui viennent de m'être posées par l'intervenant, dont le propos en substance a consisté à dire que l'école publique est délaissée. Et il en a donné une preuve à travers cet exemple tout à fait réel, des situations où vous avez des enseignants du primaire qui inscrivent, qui sont du public, mais qui inscrivent leurs enfants
dans le privé. En effet, je vous ai dit que c'est un grand défi que celui de l'éducation. Comprenons-nous bien. Lorsque vous prenez le budget de l'État du Niger, 22% des ressources sont consacrées au secteur de l'éducation. Théoriquement et pratiquement, ça n'a pas d'importance. Toutefois, il y a une grande contradiction. Les études qui sont faites par la Banque mondiale, qui s'occupent particulièrement du secteur de l'éducation, démontrent que nous sommes, en Afrique de l'Ouest francophone, un pays qui consacre beaucoup de ressources à l'éducation, mais dont le système est contre-performant. Les résultats de nos élèves sont nettement moins bons que les résultats des élèves de pays qui consacrent moins de ressources au secteur de l'éducation. Il y a un vrai problème et il faut l'attaquer. Si je vous disais que nous sommes satisfaits de notre système, je ne vous aurais pas dit la vérité parce que tout simplement je n'aurais pas commencé par dire que c'est le plus grand défi du développement de notre pays auquel nous avons à faire face. Cette situation était loin d'être la même par le passé, lorsque les Nigériens n'étaient pas très nombreux et qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Le peu d'écoles qu'il y avait était animé par des enseignants de bonne qualité. Et le produit qui sortait de ces écoles, du peu d'écoles qu'il y avait, était des produits de grande qualité. Nous avons constaté une baisse tendancielle du niveau des apprenants depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est une baisse tendancielle qui s'est accélérée en particulier à partir d'un moment donné. Et quel que soit les ressources que nous mettons aujourd'hui, ils ne servent à rien parce que nous avons un personnel enseignant qui n'est plus en mesure de faire en sorte que cette tendance change. Et il faut donc poser un bon diagnostic. Le bon diagnostic, il consiste en l'occurrence à dire que nous avons à mettre l'accent sur la formation des enseignants. C'est là où il faut trouver le remède. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment? Et ça, c'est la pratique depuis toujours. Lorsque un enfant qui sait à peine lire et écrire passe le BPC, nous l'envoyons se former dans une école normale sur 2 ans, sur 1 année parfois, et nous considérons que c'est un enseignant. Nous le mettons sur le marché de l'enseignement, nous lui confions des élèves. Or, lui-même n'a pas tout à fait le niveau d'un élève du CM2. Les tests que nous avons faits en 2017 sur des épreuves du niveau du CE2 à des enseignants ont donné des résultats tels que nous devrions renvoyer, parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne, les 2/3 au moins des enseignants. C'est aujourd'hui ça la triste réalité de notre école. Et donc c'est sur ça qu'il faut s'apesantir, c'est ça qu'il faut changer. Et moi ce que je préconise, c'est que désormais les enseignants qui vont être formés pour tenir nos écoles primaires, il faut les recruter avec un niveau de diplôme au-dessus du BPC. Ça va être au minimum le baccalauréat. C'est la proposition que je fais. C'est ça qui va figurer dans mon programme. Oui, il y a le problème du salaire, justement. Mais ça ne sert à rien de faire des salaires bas à des enseignants nombreux qui ne forment rien.
n'est-il pas temps que nous prenions en compte cette réalité-là? N'est-il pas temps que nous disions, est-ce que ce que nous faisons là n'est pas absurde? Est-ce que vous ne trouvez pas absurde entre nous? Je vous dis, à Zender par exemple, le taux d'exclusion en classe de 6e, il est de 45%. Quand 100 enfants entrent dans un établissement du secondaire, c'est-à-dire du CEG en classe de 6e, à la fin de l'année, 47 sont renvoyés. Est-ce qu'il y a un sens à entretenir un système d'éducation où, au bout de 6 ans, parce que tout simplement on a décidé d'une règle en vertu de laquelle on ne renvoie personne au primaire? Si c'était le cas, on aurait vidé les écoles directement et on aurait dépensé moins à les entretenir tout simplement. Mais nous maintenons un système absurde qui les conserve sans qu'ils apprennent quoi que ce soit, arrivé en 6e, du fait du phénomène de passage automatique, c'est 45% qui sont renvoyés. Ce sont des taux de renvoi légèrement inférieurs dans les autres régions. C'est ça la réalité du miroir grossissant de l'échec de notre système éducatif aujourd'hui. Ces chiffres-là que je viens de donner, ces statistiques-là. Donc, il faut, et ça va prendre beaucoup de temps malheureusement, et c'est ça aussi qui explique le retard de notre pays. Ne croyez pas que ça, c'est les effets de mesures qui datent d'hier ou d'avant-hier. Ça remonte à 1975, mais ça s'est aggravé en particulier au cours des années 90, et la tendance à la baisse du niveau, elle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2017, il y a eu ces tests et il y a eu les nouveaux paradigmes qui ont été définis dans le mode d'enseignement qui ont consisté à mettre l'accent sur l'apprentissage de la lecture et du calcul, qui ont commencé à donner des fruits en ce moment, parce que les mêmes évaluations, quand elles sont faites, elle montre que les enfants ont mieux appris que par le passé, mais ce n'est pas suffisant cela. Je mets l'accent donc sur le relèvement du niveau des enseignants et il faut créer un institut pratique. C'est la proposition que je fais dans mon programme de formation pédagogique. Nous allons mettre en place un institut pratique de formation de conseillers pédagogiques. Nous allons mettre l'accent en particulier sur la qualité de la formation des formateurs, c'est-à-dire ceux qui forment les enseignants. Il faut qu'eux-mêmes soient bien formés et il faut créer un institut à cet effet, prendre à bras le corps cette question en nous disant que c'est ça notre avenir. Si nous ne remédions pas à cette situation des dégâts causés par notre école à sa jeunesse, nous n'irons nulle part. Et nous serons encore plus derniers que nous le sommes aujourd'hui. Voilà la solution. Ça va prendre du temps pour que ces effets s'en ressentent. Mais c'est la voie de passage obligée. Nous allons, pour l'enseignement supérieur, renforcer aussi le niveau de la formation à l'école normale supérieure de façon à améliorer l'encadrement des futurs enseignants. Partout où nous avons une école de formation de formateurs, nous allons mettre un accent particulier sur la qualité de l'encadrement, quitte à ce que nous développions des formes de coopération avec d'autres pays pour disposer de personnel de qualité en quantité de façon à assurer un bon encadrement à ceux qui seront chargés à leur tour de former nos enseignants. Quand vous avez un élève qui passe le bac aujourd'hui, mais à qui vous donnez une formation d'une année, ça peut ne pas être suffisant. Nous allons faire les tests. Nous pouvons maintenir la durée de la formation même après le bac sur 2 ans. Je ne sais pas, les techniciens du ministère vont nous dire ce qu'on doit faire avec précision. Ça pourrait être 2 années de cours normal, comme ça peut être une année, mais je souhaiterais que quand nous avons un enseignant qui doit aller dans l'école la plus éloignée, il soit capable de donner un enseignement qui donne la chance à l'élève
d'apprendre à lire, à écrire, à réfléchir et à évoluer de façon un jour d'être capable de se former dans une discipline qui lui permettra de produire et de vivre lui-même. Voilà une des solutions que j'entrevois. Pour le moment, il faut prendre en compte les acquis de la réflexion qui a découlé des mesures que nous avons prises après les tests faits en 2017, c'est-à-dire centrer la formation au niveau des écoles primaires, centrer la mission de formation sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage du calcul. C'est très important. Vous avez des enfants qui font 6 ans à l'école primaire sans qu'ils apprennent à lire et à écrire. Il faut mettre un accent particulier sur cela dans le sillage de la réforme qui a été, en fait, de la réforme des mesures qui ont été prises par le ministre Daouda Marté à l'issue des tests de l'année 1917. Il faut 2017, pardon. Il faut restructurer les structures de formation, les universités et les institutions, et les instituts, afin de répondre aux besoins du marché du travail. Nous avons des universités et des instituts qui forment. Nous avons même des écoles de formation professionnelle et technique qui forment des agents qui ne servent pas à grand-chose. Aujourd'hui encore, si vous avez besoin d'un plombier et que vous en demandez dans la ville de Niamey, vous avez toutes les chances de tomber sur un Burkinabé. Si c'est un électricien, vous avez toutes les chances de tomber sur un Togolais. Si c'est un maçon, c'est un Togolais ou un Béninois. Pourtant, ces dernières années, nous avons créé beaucoup d'écoles de formation professionnelle et technique, mais pour le moment, nous n'en voyons pas les produits sur le marché. Nous ne les voyons pas, non pas qu'ils n'existent pas physiquement, mais ils ne sont pas compétitifs par rapport à ces étrangers-là qui sont sur le marché et qui sont ceux dont on demande des services. Ça veut dire quoi? Posons-nous la question et la réponse, elle coule de source. C'est que ceux que nous formons ne sont pas performants. Ils ne sont pas compétitifs, ils ne sont pas concurrentiels. Améliorons alors le cadre de leur formation de façon à faire en sorte qu'ils soient plus compétitifs. Nous avons d'autres problèmes aussi, c'est la disponibilité des manuels scolaires. Faisons en sorte que nous achetions. Et ça ramène la question de la gouvernance, j'y reviendrai certainement à l'occasion des autres questions. Faisons en sorte que nous ayons une dépense de qualité. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous nous mettons beaucoup de ressources, mais pour des résultats qui ne soutiennent pas la compétition avec des expériences des pays voisins. Là, nous avons le phénomène de la qualité de la dépense. Achetons les manuels scolaires à des prix qui fassent en sorte que les ressources que nous mettons nous permettent d'avoir le maximum de manuels scolaires. Mais nous pouvons aussi proposer, et c'est ça que j'ai fait dans mon programme, l'utilisation de tablettes qui contiennent les programmes de façon que nous diminuions le coût des manuels scolaires. Les tablettes coûteront moins cher que les manuels. Les études sont faites et c'est une réalité. Donc voilà, on a une voie. Si nous ne pouvons pas le faire pour l'ensemble du pays, pour une bonne partie du pays, c'est-à-dire pour les villes, ce sont des choses qui peuvent être envisagées. Discrimination alors. Ah, oui. Et généraliser. Les instruments de la technologie de communication dans le système éducatif, en particulier à l'université. À l'université, créons une bibliothèque virtuelle. À l'université, renforçons les ITC de façon à faire en sorte que les acheter des tablettes comme cela s'est fait, acheter des smartphones aux étudiants comme un outil de travail, c'est autant de choses qu'il faut penser, mais profiter des nouvelles technologies de façon à faire en sorte que nous fassions
des économies importantes. Voilà autant d'idées qui sont discutées aujourd'hui. Les nouvelles technologies de la communication doivent être un des moyens auxquels nous devons recourir. Et il y a toute une réflexion qui s'est faite aujourd'hui, ici comme ailleurs, de façon à pallier les insuffisances de notre système et nous permettre de faire en sorte que nous ayons une école qui produit des choses qui ont un sens. Mais la situation actuelle, elle est insoutenable. Et je vous dis que, quelles que soient les ressources à mettre pour que nous ayons les réformes à même de changer les choses dans notre système scolaire, nous allons y recourir, Inch'Allah. Voilà quelques éléments de réponse à votre question. Ah oui. Savoir est-ce que vous créez un mécanisme une fois élu pour que l'ensemble des acteurs du premier rang au moins envoient donc leur enfant et le traverser. Vous savez, si je donnais une réponse positive, je serais un populiste. La question n'est pas sentimentale. Moi, je veux que nous fassions des réformes de fond, de façon que l'école publique soit attractive par elle-même, pas par des mesures cosmétiques, populistes, tout à fait dérisoires comme ça. Si aujourd'hui vous disiez à quelqu'un, viens, amène ton enfant toi à l'école publique, mais son enfant lui aussi va échouer, est-ce qu'on sera sorti de l'auberge? On ne sera pas sorti de l'auberge? Non. Si on veut être sérieux, vous êtes très sérieux, vous avez posé des questions très sérieuses. Je respecte le ton de vos questions. Mais cette question, elle n'a pas de sens. Moi, je dis, si j'étais de ma gauche, je vous aurais dit oui, on va faire ça. Parce que je n'ai pas l'intention de le faire. Mais ça, ça ne me ressemble pas. Ne comptez pas sur moi pour que je vous dise des choses auxquelles je ne crois pas. C'est bien de poser cette question. Pourquoi? Parce qu'elle nous interpelle en effet. Moi, je sors de Tesker. Est-ce que vous savez où est Tesker? Moi, j'ai passé 6 ans sous Payotte. Mais avec des enseignants de qualité. Je suis devenu ce que je suis devenu. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait une seule école à Tesker. Aujourd'hui, il y a plus de 120 écoles à Tesker. Mais aucune de ces 120 écoles ne donnera la chance à un enfant de famille pauvre comme la mienne d'être ce que moi je suis devenu. Donc, par conséquent, réformons notre système de façon, en effet, qu'on n'ait pas besoin forcément d'être dans une école privée. Malheureusement, le phénomène de la compétitivité des écoles primaires par rapport des écoles privées par rapport aux écoles publiques n'est pas un phénomène nigérien. C'est un phénomène universel, même en Europe. Je ne parle pas des États-Unis, mais je parle de la France, qui est le pays du service public par excellence. Même en France, aujourd'hui, malheureusement, le système privé a tendance à dépasser le système public où pourtant beaucoup d'allocations sont mises. Donc ce n'est pas ça la question. La question, c'est de faire en sorte que les enfants des pauvres comme moi, l'État leur assure sur place un enseignement de qualité qui fasse en sorte que ces enfants aient les mêmes chances que nous, leurs aînés, nous avons eues, que nous, leurs parents, nous avons eues. C'est ça notre défi. Et je dis que c'est le chemin qu'il faut emprunter. C'est le chemin par lequel il faut passer. On ne le réglera pas sur un mandat de 5 ans.
on ne le réglera pas sur deux mandats, mais on le réglera à long terme si nous prenons les options qu'il faut dans le sens de ce que je suis en train de dire. Moi, je suis enseignant de formation et je sais ce qu'il en coûte. Du fait de mes origines par ailleurs populaires, je sais ce qu'il en coûte aujourd'hui de ne pas avoir une bonne école. Quand on n'a pas une bonne école, c'est qu'on n'a pas de bons enseignants. Si on n'a pas de bons enseignants, c'est qu'on n'a pas des écoles de formation d'enseignants de qualité. Vous voyez, il faut créer des écoles de formation d'enseignants de qualité qui, à leur tour, vont former des enseignants de qualité qui, eux, vont former des élèves de qualité. Mettre les ressources qu'il faut, utiliser les moyens que donnent les nouvelles technologies de la communication aujourd'hui, mais faire cette option résolue de façon que partout, on accroisse les chances des enfants du peuple pour qu'eux aussi réussissent à travers l'école et que l'école soit pour les enfants du peuple un véritable levain pour leur épanouissement. Donc, voilà moi ce que je voulais vous dire. Merci, Excellence. Chers camarades, excusez-moi toujours de revenir. Je dois vous dire, chers camarades, ou vous rappeler qu'il s'agit d'un événement assez historique. J'aimerais juste m'agenouiller devant vous, vous demander, chers camarades, s'il vous plaît, d'arrêter souvent de crier. Moi, je préfère que, même si une chose est dite et que vous ne croyez pas, il faut prendre note. C'est important. Je dois vous dire, chers camarades, que c'est pour la première fois et il faut que vous prêtiez attention. Nous sommes en train de recevoir un à un, peut-être le futur président de la République. Et si nous avons toutes ces notes, est-ce qu'on a besoin d'aller revendiquer? Est-ce qu'on a besoin d'y faire du bruit? Dans la mesure où les propositions nous ont été faites pendant que prier. Donc il est important, même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord, même si nous ne sommes pas tout à fait convaincus, de prendre note et de laisser l'histoire prendre note. J'interpelle la conscience de mes camarades. J'interpelle la conscience supérieure instruite, comme j'aime toujours le dire. Prêtez attention à tout ce qui est dit, s'il vous plaît. Et prenez note surtout. Moi, j'insiste sur ça. Allez-y. Après lui, c'est le camarade Dovi. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, cher président. Ce que permettez, disons, comme à mon habitude de me lever, c'est une habitude que j'ai. Étant assis, je ne me sens pas assez à l'aise. Voilà. Pour entrer, je suis censé intervenir sur les questions économiques. Mais je vais d'abord rentrer dans la question du gouvernement. Et il y a aussi un truc assez connu de tous, c'est que souvent il faut interroger le passé pour savoir ce que font les gens actuellement et peut-être prétendre leur faire confiance dans le futur. Monsieur le Président, tout à l'heure, avant que je ne sois ici, j'écoutais votre discours à l'occasion de la motion de censure de 2007, Monsieur le Président. L'impression que tu as. Vous avez dit ceci, c'est un passage que j'ai noté. Les années universitaires sont blanches, une année surtout. Ça, c'était à l'époque. C'était sous un autre régime. Mais qu'en est-il de notre époque? Moi, j'ai atterri ici à l'université en 2014. Sans jamais redoubler, j'ai passé 5 ans pour obtenir ma licence. Autrement dit, même si de façon formelle, les années ne sont pas blanches, on les force à être blanches. Et nous le savons tous. Nous le savons tous. Taraya, c'est un système. C'est peut-être pour anticiper quelque chose que certains politiciens ont eu à dire ici, pour dire que ce n'est pas leur personne qui est en train de diriger. Mais nous savons que Taraya, c'est un système. Donc, lorsque le système est incriminé, vous, monsieur le président, vous êtes aussi incriminé. Je continue. Vous avez aussi dit ceci.
Vous aviez aussi dit ceci. Les malversations financières à l'époque, ça c'est, je l'ai dit à ma manière, il y avait énormément de malversations financières. Vous disiez à l'époque que même ça a donné naissance, je pense, à des hommes politiques tels que ça. Mais durant ce régime, 10 ans, nous avons aussi vu la prolifération de multimilliardaires. C'est une vivante réalité que nous avons observée. Je continue. Vous aviez aussi dit quelque part qu'il y avait eu l'affaire Meba à l'époque. Il y avait eu l'affaire Meba, une affaire à l'époque. Nous, on était encore au primaire, mais on se rappelle encore, n'est-ce pas, de la façon dont ça avait défrayé la chronique. Souvent, même chez un commerçant, quand on partait, lorsqu'il tentait de vous exploiter, on lui disait, ne le faites pas, Meba. Vous aviez eu à le dénoncer lors de ce discours, pardon. Et vous aviez dit, si, les citoyens ont pensé qu'il y aura enfin la justice. Mais la justice est contrariée et escamotée. Aujourd'hui, je prends une affaire simple. C'est le ministère de la Défense. Il n'est pas une affaire qui sort de ma bouche, mais que nous avions entendu dans une note audio venant du ministre de la Défense, Issoufou Katangou, qui dénonçait des malversations au niveau du ministère de la Défense, partant à dire que souvent, il y a même des cartouches qui ne marchent pas, qu'on donne à nos militaires. Mais pourtant, il y a eu des audits qui ont été menés et des noms qui ont été incriminés. Mais ces gens continuent à circuler. Qu'en est-il de la justice à notre époque? N'est-il pas contrôlé aujourd'hui? N'est-il pas escamoté aujourd'hui? Je continue. Vous disiez aussi ceci. La rébellion a repris dans le nord de l'Aïr. Notre pays est revenu comme à la case de départ. Je suis en train de vous citer ça, c'est ce que vous aviez dit lors de votre discours de 2007. Aujourd'hui, nous sommes dans une insécurité qui ne dit pas son nom. C'est pratiquement tout le pays qui est en lambeaux. Du nord au sud, d'est à l'ouest, le pays est en lambeaux. Et même dans les centres urbains comme Niamey, c'est difficile de circuler même quand on a un petit passage. L'insécurité a atteint un autre niveau d'ampleur. Je continue, monsieur le président. Monsieur le Président, vous aviez aussi dit que les écoles n'ont guère totalisé plus de 4 mois de cours. Pendant 10 années, le système Tareya, pendant 10 années, du règne du système Tareya, on a vu et on a vécu des grèves répétitives d'enseignants, d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, de partout et de tous les domaines. On en a vu. Les écoles, on continue à dire que non, ça marche. Mais en réalité, ça ne marche pas. Je continue. L'éducation, donc, qui était le seul domaine sur qui tout le monde aurait misé. Lorsque Tareya va venir au pouvoir à l'époque, tout le monde disait que même si rien ne marcherait, au moins l'éducation marcherait. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est bien des systèmes qui marchent. Je continue, monsieur le président. Vous avez aussi dit ceci. C'était à l'époque, les faits sont têtus. Que le premier ministre de l'époque avait 7 ans et que vous étiez en train de dénoncer cela. Vous disiez que ça étouffait le système et que pour que le système semi-présidentiel marche, il faut un renouvellement à chaque fois régulier des premiers ministres. Mais c'est durant ces 10 années, c'est toujours le même premier ministre. Donc, pendant tous les 20 ans que Tareya a eu à passer à l'opposition, il a eu à dénoncer des tares qui étaient réels à l'époque et qui ont fait peut-être, qui a fait en sorte que, donc ces dénonciations ont fait que les gens ont eu confiance à un moment donné de l'histoire quand ils étaient installés. Mais aujourd'hui, à l'épreuve de fait, c'est pas le sentiment qui se dégage dans l'opinion et même peut-être ici à cette place. Ça, c'est ce que nous remarquons. Donc, monsieur le président, je vous finis par vous poser. Donc, ça, c'est juste des faits que j'ai cités. Pour finir par une question, pourquoi en fait le peuple, en vue de toutes ces questions de mauvaise gouvernance, devrait-il vous faire confiance? Pourquoi, de nouveau, le peuple devrait-il vous faire confiance? N'est-ce pas une fois encore de la démocratie? Nous voulons à ce que vous nous appuyez. Je continue sur la question économique.
au nom de l'État de l'économie, j'ai passé. À propos des années blanches, lorsque le premier ministre que j'ai dénoncé dans les propos qu'il vient de citer de ma déclaration ce jour-là, du vote de la motion de censure, lorsque le premier ministre était arrivé au pouvoir, le volume de la bourse était, le volume de la bourse annuelle des étudiants était de 5 milliards en 2000. En 2007, l'année où nous l'avons descendu, le volume de la bourse était de 1,5 milliard. Devrais-je dénoncer cela ou non? Je devais le dénoncer. C'est la preuve qu'il n'y avait aucun intérêt qui était accordé à l'enseignement supérieur. Et c'est ça qui expliquait les années blanches, monsieur. C'est cela qui se désintéresse. Se désintéresse vis-à-vis de l'école. Je vais vous dire que les frais d'équipement, les allocations de supplément familial, les frais de mémoire, de thèse, les indemnités de subsistance allouées aux bénéficiaires des bourses de coopération avaient été supprimés par ce premier ministre-là. Il les avait supprimés. Il avait réduit le taux de la bourse. Il fermait systématiquement le moindre mot d'ordre de grève à l'université. Valait aux étudiants de voir l'université fermée. Et les étudiants chassés. C'était ça la réalité que je dénonçais. Nous, le jour où nous sommes arrivés au pouvoir, le volume annuel de la bourse en 2010, il était de 5 milliards parce que ça s'est amélioré entre-temps depuis que lui avait quitté. C'était passé jusqu'à 5 milliards. Aujourd'hui, c'est 16 milliards. Nous avons augmenté le taux de la bourse qui est passé de 32 000 francs par étudiant à 36 000 francs. J'ai institué, c'est moi qui me suis battu, conformément au combat que j'ai mené contre lui ce jour-là, en le dénonçant. Je suis allé m'agenouiller devant le président Tanja pour lui montrer l'intérêt qu'il y avait à accorder l'aide sociale aux étudiants des pauvres. Je lui ai dit, monsieur le président, moi je suis de Tasker, vous êtes de Mayiné. Il y a des élèves, il y a des étudiants de Tasker et de Mayiné qui sont ici qui n'ont pas de bourse. Parce que les critères d'attribution de bourse ont été tellement corsetés que ce n'était pas possible qu'ils y accèdent. Trouvez une formule, et c'est moi, je veux vous dire, qui ai proposé l'aide sociale. Je l'ai proposé et il l'a accepté. C'était 700 millions par an. Aujourd'hui, l'aide sociale, c'est 2,9 milliards. Voilà ce que j'ai dénoncé. Nous n'avons pas fait d'année blanche. Le campus a été fermé le 10 avril. Je vais revenir là-dessus. J'étais absent. Le jour où je suis revenu, je suis allé voir le président Issoufou. J'étais à Pékin quand se sont passés les événements du 10 avril. Je suis allé voir le président Issoufou. Je lui ai dit, monsieur le président Issoufou était absent, même lui, le jour où Bagalé était décédé. Et il avait trouvé que le campus a été fermé. Je suis venu le voir. Je lui ai dit, ce sont des filles de paysans qui dorment sous les ponts. Est-ce que c'est concevable pour nous?
Il m'a dit ce n'est pas concevable. J'ai arrangé un rendez-vous avec le Ousseini, qui était le président du CD. Et séance tenante, le président a dit de rouvrir le campus universitaire, permettre aux étudiants de le réintégrer. Le premier ministre de l'époque, lui, monsieur, il s'est prévalé d'avoir fermé le campus universitaire, d'avoir enfermé les étudiants, les dirigeants étudiants. Moi, je n'enferme pas les dirigeants étudiants. Et tous vos camarades ont témoigné ici, tous vos camarades, tous qui ont dirigé l'USN, depuis Anas, Boini, Ousseini, Sellou, Gabri, tous savent que j'ai fonctionné comme le ministre de l'enseignement supérieur PIS, parce que ma fonction était d'aider le ministre à comprendre les problèmes des étudiants et à régler les problèmes des étudiants. Moi, je suis très fier de ce que j'ai dit ce jour-là, parce que j'ai des convictions que je continue à défendre. Voilà, donc, dans le secteur de l'enseignement supérieur, il y a eu une fâcheuse incompréhension. Il y a eu une réunion du ministère de l'enseignement supérieur à Dosso en 2019, me semble-t-il. Ils sont venus nous faire un rapport sur la base de quelle des décisions sur la gouvernance ont été prises, qui sont des décisions erronées. Les enseignants supérieurs, les enseignants du SNEC sont allés en grève. Nous avons maintenu une position. Un jour, j'ai dit à nos camarades du SNEC, du PNDS, nos enseignants cherchaient le professeur Habibou, ils sont là, qu'on se retrouve au siège du groupe parlementaire de notre parti et que je comprenne ce qu'est ce problème. Je n'ai pas eu à m'y apesantir véritablement. Et il y avait un enseignant-chercheur, camarade du PNDES, qui s'est levé, Yahya Nezoum. Il a parlé sans complexe. Il était totalement PNDES, mais il était sur les positions du SNEX. Je me suis senti interpellé. J'ai écouté les autres, mais j'ai dit qu'ils ont raison. Ce soir-là, ce jour-là, j'ai décidé qu'on mettrait fin à la grève. Parce que ce n'est pas bien ce qui se fait. Et j'ai discuté, j'ai dit au président de me mettre comme président, comme médiateur. Vous vous souvenez, j'ai fait la médiation. On a eu un accord. Un accord qui a consisté à diviser la poire en deux. De mettre les présidents du conseil d'administration des universités et de faire nommer les recteurs comme avant. Mais tous ceux qui ont discuté avec moi à l'époque savent que j'ai dit au fond, c'est pour que certaines personnes sauvent la face qu'on fait ça. Si demain je suis président, je vais supprimer les conseils de président d'administration, les présidents de conseil d'administration, je laisserai les recteurs élus directement par les enseignants-chercheurs, tout simplement sur ces questions de gouvernance-là. Donc, nous ne sommes pas hostiles à l'université. Il y a eu une allée blanche, il y a eu des grèves sur la base de compréhension. Demandez à Diabiri combien de fois. Voilà, Diabiri est là. Combien de fois j'ai réuni les gens du SNEX quand les étudiants ont eu le problème avec. S'il vous plaît, je suis venu pour discuter avec vous. Vous pouvez m'écouter, non? Donc, je disais, quand il y a eu l'incident entre les enseignants-chercheurs et le SNEX et les étudiants, j'ai écouté les étudiants. J'ai écouté, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon domaine. Mais je m'occupe de l'université parce que j'ai à cœur de régler le problème de l'université. J'ai écouté les enseignants-chercheurs. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas pardonner. Diabiri est témoin. Je leur ai dit, pardonnez-leur. Ce n'est rien, c'est un incident. Comment vous pouvez faire une grève? Vous n'en avez même pas le droit. Vous ne pouvez pas faire une grève parce qu'il y a eu un incident entre vous et vos étudiants, tout simplement. J'ai tout fait pour qu'ils entendent raison. Ça n'a pas été possible. Vous voyez, là aussi, ce n'est pas de notre faute. S'il y a eu cette grève du SNEX là, totalement absurde de mon point de vue. Ce n'est pas de notre faute à nous. Et
la grève du SNEX, la deuxième sur les recteurs, sur la gouvernance, ils ont raison. Nous avons eu un malentendu. Et quand nous nous sommes rendus compte que nous sommes en tort, nous avons discuté avec eux, j'en ai pris l'initiative et nous avons réglé le problème. Mais moi, mais nous, notre régime, il n'a jamais été dans la position de mépris vis-à-vis de l'université, du soupçon sur les universités, regarder les étudiants comme des subversifs, des éternels insatisfaits, des gens qu'il faut écraser. Ça n'a jamais été ça notre position. Je veux que vous le sachiez, messieurs. La rébellion. La rébellion. La rébellion, c'était des Nigériens qui ont pris des armes parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Mais vous étiez jeunes certainement, vous pouvez vous référer à nos prises de position du PNDS Tareya. Ça n'avait jamais été de position opportuniste qui consiste à, en quoi que ce soit, avoir une position douteuse, ambiguë sur le phénomène de la rébellion. Nous les avons dénoncés. Nous avons dénoncé le principe de la rébellion. Nous avons fustigé le sujet de la rébellion. Mais en même temps, nous avons dit, une fois qu'on a fait ça, il faut trouver une formule pour régler ça. Mais aujourd'hui, l'insécurité. L'insécurité aujourd'hui, je vais en parler. Le pays est en lambeaux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Nous sommes le seul pays entouré par trois grands foyers terroristes. Nous avons la Libye, où vous n'avez pas d'État du tout. Vous n'avez pas d'État en Libye. Dans le sud libyen, ce sont des organisations criminelles qui vivent des différents trafics, qui occupent tout le sud de la Libye, c'est-à-dire à notre frontière. Il n'y a pas une armée de la Libye. Nous n'avons pas de vis-à-vis, nous n'avons pas de partenaires. Le Mali, sur 800 km, vous prenez du point triple de la frontière Niger-Burkina-Mali jusqu'au point triple de la frontière Mali-Niger-Algérie, vous n'avez pas un seul soldat malien. Pas un seul soldat malien. Pas une seule autorité malienne. Tout le long de la frontière, ce sont des organisations terroristes armées qui sévissent là et qui sont ravitaillées par les armes les plus modernes, les plus sophistiquées, qui viennent de la Libye, qui viennent de la Libye, qui viennent de la Libye. C'est pas la France, si vous le voulez. Si vous le pensez, vous vous trompez. Si vous êtes à l'aise dans votre erreur, restez-y. Ce n'est pas une organisation nigérienne. Vous n'avez pas un seul mouvement terroriste nigérien qui aujourd'hui porte de revendications adressées au gouvernement du Niger pour qu'il soit considéré comme un interlocuteur avec lequel nous avons à discuter. Pas un seul. Ni Boko Haram, ni Abu Wali de Sahraoui, ni le JNIM, ni n'importe lesquelles de ces organisations terroristes. C'est totalement différent de la situation de 2007. Mais avec ça, et avec nos faibles moyens, aujourd'hui, nous assurons la sécurité de notre pays, sauf sur les marges des frontières, comme dans la région de Abala, dans la région de Bani Bangou, et un tout petit peu là. Et la tête, ça ne se reproduira pas. Moi, je peux vous dire. Pourquoi? Parce que vous avez des hommes intelligents à la tête de ce pays. Vous savez pourquoi? Les PMR,
les postes militaires de reconnaissance, les postes militaires de reconnaissance de Shinagoda, de Inates et de Tilowa, ce sont des postes qui dataient des années 80, lorsque il n'y avait pas de terroristes, lorsque il n'y avait pas cette insécurité. Nous nous sommes trompés de les avoir maintenus parce qu'ils sont en position statique. Et les rebelles et les terroristes qui sont au Mali réunissent 400 motos. Chacune prend deux personnes. Ils utilisent des F-80 performants, modernes, acquis dans le cadre du trafic des armes qui a cours du fait de la situation provoquée en Libye et qui viennent comme un essaim de sauterelles s'abattre sur nos PMR. Nous avons à peu près 100-200 personnes. Il y a 400 personnes qui viennent. Vous croyez donc, vous savez, si vous pensez, si vous ne voulez pas du débat, moi je l'arrête. Moi j'arrête le débat. Moi je pensais, que ça vous intéresse. C'est moi qui ai pris de mon temps. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas l'inverse. Quand dans son propos, Issoufou Katambe dit que les cartouches ne marchent pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je le dis. Je le dis, c'est pas vrai. Pourquoi ne sort-il pas le dire? Il l'a dit en causant. Vous savez, les humains, comment ils sont. Hein, ce que vous dites en privé, c'est pas toujours que vous le dites en public, mais c'était ministre de la République. Je suis obligé pour me défendre de dire que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai, je le dis, et il va l'entendre. Parce que moi, je ne recule pas devant la vérité. Et c'est ça la vérité. Donc, messieurs, les PNR, c'est fini. Il n'y a plus de Inates, il n'y a plus de Sinagoda, il n'y a plus de Tiroa. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous sommes restés, nous avons tiré les leçons d'une expérience. C'est ça les hommes. Quand vous commettez une erreur et que vous en tirez les conséquences, vous êtes à l'abri des effets de l'erreur en question. Mais plus jamais de Shinagoda, plus jamais, Inch'Allah, plus jamais, parce que tout simplement, pourquoi, je vais vous dire, nous avons un autre concept de déploiement de nos armées désormais. Elles sont mobiles, elles ne donnent pas l'occasion à un regroupement de 800 terroristes qui viennent s'abattre sur eux, comme des sauterelles. Ça, c'est fini. Et vous aurez constaté que, ayant tiré cette leçon, tout est réglé. Mais notre pays est l'un des plus sûrs. Mais notre pays est celui qui est encerclé par le plus grand foyer. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème du Mali, qui n'est pas notre problème à nous, nous continuerons à subir les effets pervers de cette situation au Mali. Ce n'est pas de notre faute. Si aujourd'hui, nous avons des citoyens à nous qui ont pris des armes, qui ont dit que dans votre gouvernance, vous faites ceci, vous faites cela, et c'est pourquoi nous sommes révoltés, nous avons pris des armes, nous les aurions invités à la discussion. Quand j'ai pris le ministère de l'Intérieur, et que je sais qu'il y a des jeunes gens des communautés Peul de la région de Bani Bangou qui sont dans les GS, j'ai envoyé 4 fois des émissaires pour leur dire, qu'est-ce que vous voulez mes enfants? Quelles sont vos revendications? Dites-nous ce que vous voulez. Je suis même prêt pour que vous disiez, comme les jeunes Touareg l'avaient fait en 2007, que vous êtes une rébellion Peul. Je suis prêt. Et vous me dites vos revendications, on va discuter. J'ai reçu une lettre de leur chef dans laquelle ils me disent, nous avons 20 personnes qui sont arrêtées. Si vous les libérez et qui sont dans vos différentes prisons, nous allons même former une ceinture pour sécuriser le Niger. Nous sommes dans le jihad au Mali. Nous faisons le jihad au Mali. Donc nous n'avons rien à voir avec le Niger. J'ai soumis au ministre de la Justice la liste de 20 personnes. Nous avons découvert qu'il y a des gens qui ont attaqué la prison de Walam, qui ont tué nos militaires, nos gardes. Nous ne pouvons pas les libérer sur la foi de la promesse qu'ils ne feront plus rien. Donc nous avons traîné dans nos discussions. Ils m'ont donné un ultimatum. Ils m'ont dit si en février 2017, et ça c'est en 2016, je suis venu en mai 2007, moi, au ministère de l'Intérieur. Ils me disent que si en février 2017 vous ne les libérez pas, nous allons reprendre nos activités. J'ai pu, quand je commençais à étudier le dossier au ministère de la Justice,
j'ai découvert qu'il y a en effet des personnes qui sont arrêtées, qui ne figurent pas dans cette liste, contre lesquelles il n'y a même pas de dossier. Je les ai fait libérer aussitôt. Et les personnes dont elles m'ont donné les noms, certaines, nous pouvions les libérer. Franchement, parce que ce sont des dossiers superficiels, nous pouvons demander à la justice de les mettre en liberté provisoire. Mais il y a quatre qui les intéressent. Des terroristes qui ont les mains sur, qui ont le sang sur les mains, nous ne pouvons pas les libérer. Mais nous, je n'avais pas fermé la porte de la discussion quand ils nous ont attaqués à Bani Bangou. Quand par la suite, ils ont récidivé, vous vous souvenez, à Abala. Et à partir de ce moment, le fil tenu qu'il y a entre eux et moi, ils l'ont rompu. Parce que tout simplement, ils sont sous la férule d'Abou Ali de Sahraoui. Abou Ali de Sahraoui n'est pas un Nigérien. Je ne peux pas discuter avec Abou Ali de Sahraoui, moi. En faire un partenaire, je ne le ferai jamais. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas de partenaire, nous n'avons pas des gens qui nous agressent parce qu'ils ont des griefs contre nous, contre notre gouvernance. Et donc l'insécurité dont vous parlez, ce n'est, le pays n'est pas en lambeaux, il est bien tenu. J'ai passé 4 ans ministre de l'Intérieur. Il n'y a jamais eu un meurtre qui n'ait pas été élucidé. Jamais. Jamais, je vous dis. Nous avons l'une des polices judiciaires les plus performantes. Détrompez-vous si vous pensez qu'il y a l'insécurité. Moi, j'ai passé 4 mois à circuler dans le Niger. Je suis allé partout. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y a de l'insécurité. Je suis ministre. Maintenant, cela dit, l'insécurité qu'on a dans les coupeurs de route, dans le contexte de notre environnement d'aujourd'hui, allez-y voir ce qui se passe au Nigeria. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe au Nigeria? Est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe au Burkina? Et ça, nous sommes un pays qui est dans une situation encore plus défavorable. Mais malgré cela, grâce à Dieu, nous maintenons un certain niveau de sécurité qui permet aux citoyens de vivre normalement. Faut pas noircir le trait, vous n'avez aucune raison de le faire à cet égard. Vous parlez du Premier ministre. Les deux premiers ministres, ce n'est pas la même chose. Il y avait un qui voulait la place de son président, il l'a mis en prison à la fin. Mais Brigitte est un homme qui ne cause de problème à personne, encore moins à son président. Ce n'est pas la même chose. Comparaison n'est pas raison, messieurs. On compare les choses qui se ressemblent. Mais les choses qui ne se ressemblent pas, on ne les compare pas. Moi, je n'ai pas dit de façon absolue qu'il y avait un problème. J'ai dit qu'il y avait un problème relativement à une personne. Mais je n'ai tellement pas eu tort que le jour où nous l'avons descendu, parce que tout simplement sa majorité aussi le voulait, très certainement. Mais si les gens veulent descendre Brigitte par une motion de censure, chiche, ils n'ont qu'à tester, on va voir. Mais nous, on était 25, monsieur. Nous étions 25 de l'opposition sur une assemblée de combien, grand frère? 213. Il fallait 56. Ce sont eux qui avaient marre. Et j'ai parlé en leur nom, en vérité. Et nous avons exécuté quelque chose avec eux. Mais nous, le Premier ministre, là, ne nous pose aucun problème. Moi, le président Issoufou m'a dit d'être Premier ministre. C'était en octobre 2018. En octobre 2018. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. En octobre 2018, le président m'a dit qu'au bout de la moitié du mandat, tu seras Premier ministre. Et il m'a appelé le 25 octobre, il m'a dit que c'est la moitié du mandat, tu vas être Premier ministre. Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Alors que eux, le jour où on l'a enlevé, il a été remplacé par qui, vous savez? Il a été remplacé par celui, son ami le plus intime. Non, comparaison n'est pas raison. Nous, ce n'est pas notre situation. D'abord, l'audit du ministère de la Défense.
Ce n'est pas les institutions, ce n'est pas nos partenaires qui l'ont demandé, hein, c'est le président de la République. Et ce n'était même pas un audit qui avait fuité. Ce n'était pas même le résultat d'un audit. C'était d'abord même pas un audit à proprement parler. C'était encore moins une inspection générale. C'était juste faire un état de lieu parce que le président de la République soupçonne qu'il se passe des choses. Et un travail fait rapidement a fuité, malheureusement. Il a fuité, il contient des choses dont la vérité est relative. Mais il contient des choses qui sont réelles. Qui sont réelles. C'est-à-dire qu'il y a eu des pratiques au ministère de la Défense qui ne sont pas compatibles avec nos mœurs à nous, avec notre vision des choses, avec notre rapport au déni public. C'est incontestable. Mais c'est nous qui avons demandé ça. Les chiffres sont très gros. La réalité des malversations est moindre. Mais le principe même de la malversation est inacceptable. Donc je suis d'accord avec vous. Ce sont des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Ce sont des choses qui sont entre les mains de la justice. Elles vont prendre le temps qu'il faut, mais on va les poursuivre. Mais je veux vous dire une chose. Si je suis président, ça ne se passera pas. Alors, la dernière question, pourquoi les Nigériens me feraient-ils confiance? Ils me feraient confiance. Ils me feraient confiance, en tout cas, pour ce qui concerne l'université, c'est par là que je vais commencer. C'est par là que je vais commencer. J'ai fait des choses au profit de l'université que la grande majorité d'entre vous ne connaît pas, mais que vos dirigeants connaissent un à un. Tous vos dirigeants, ils savent ça un à un, sans qu'ils se soient compromis avec moi, sans qu'en quoi que ce soit, ils m'aient cédé quoi que ce soit. Mais je les ai traités avec égard, ils m'ont témoigné le respect qu'il faut, et j'ai aidé les ministres. Et ça s'est vu au grand jour, à certaines occasions, pour que nous n'ayons pas de problème à l'université. J'aurais ceux-là qui peuvent témoigner. Eux, ils peuvent vous dire que moi, je suis digne de confiance quand je prends des engagements vis-à-vis de l'université. Et j'en prendrai, Inch'Allah. J'en prendrai, Inch'Allah. Vous me dites la sécurité. Pourquoi nous faire confiance? Mais nous avons réalisé une prouesse sur la sécurité. Je suis très fier, très très fier du travail que le président Issoufou a fait dans le domaine de la sécurité. J'en suis très très fier. Et cela nous est reconnu de par le monde. Aujourd'hui, si nous avons une image internationale aussi belle, c'est parce que nous avons tenu un pays dans des conditions de grande difficulté. Vous savez, lorsque le régime de Gaddafi était en train d'être terrassé, le président Issoufou avait été nommé, avait été élu président de la République. On sait qu'il m'a appelé pour me dire: on va nommer un premier ministre à qui vous pensez. Je vous assure que nous avons, lui et moi, pensé à la même personne. Parce que lui comme moi, nous nous sommes dit que compte tenu de ce qui se passe en Libye, nous devons prendre des mesures qui intègrent notre peuple, qui ne donnent pas le sentiment à qui que ce soit qu'il est marginalisé. Parce que les défis que nous avons sont des défis de sécurité extrêmement dangereux et qui se passeront dans la zone sahélo-saharienne. Le président Issoufou a mis en œuvre une gouvernance qui a rassemblé les Nigériens, qui a rassemblé toutes les communautés, qui n'a pas laissé place à quelque forme d'irrédentisme que ce soit, contrairement à ce qui s'est passé au Mali. Nous, nous sommes voisins du Mali, de la Libye, ce n'est pas le Mali. Et tout le monde, dans les diagnostics qu'il faisait de la situation à l'époque, imaginait que c'est le Niger qui va éclater. Mais le Niger n'a pas éclaté parce qu'il y a un homme qui a eu une vision, c'est l'ancien président de Pengas Karia. C'est le président Issoufou que j'ai eu le privilège de rassembler, de remplacer à la tête du Pengas Karia et que je prétends remplacer à la tête de l'État du Niger, Inch'Allah. Parce que nous avons cette vision. Et nous sommes dignes de confiance. Nous sommes dignes de leur confiance. Regardez la ville de Niamey. Regardez ce qu'elle est devenue. Avant-hier, il y a eu
je ne sais pas combien de centaines de ministres qui étaient là. Personne ne s'est rendu compte. Aucune insécurité. Ils sont dans les meilleurs hôtels du monde. Vous pouvez convoquer n'importe quelle conférence. N'importe quel roi peut venir au Niger. Ça, c'est le travail que nous avons accompli aujourd'hui. Regardez comment nous avons transformé nos villes. Regardez le nombre d'hôpitaux que nous avons. Regardez les efforts que nous avons fournis dans tous les domaines des infrastructures énergétiques, routières, de télécommunications industrielles, dans un contexte de grande difficulté. Et nous avons un pays, nous allons organiser des élections sur la base d'un fichier biométrique. Et il n'y aura aucun problème, Inch'Allah, vous verrez, ça va se passer dans d'excellentes conditions. C'est pourquoi nous disons aux gens de nous faire confiance. Et c'est pourquoi d'ailleurs les gens nous font confiance. C'est pourquoi les gens nous font confiance. Messieurs, vous ne voyez pas mes meetings. Regardez la télévision. Mais ce sont les Nigériens qui nous font confiance. Vous savez, nos opposants qui disent qu'on n'a rien fait, ils sont là, ils traversent le pays. Moi, je sais combien de personnes ils réunissent, combien de personnes les écoutent. Et demain, les urnes vont nous départager. Si nous n'avons pas bien travaillé, vous pensez que les gens nous feront confiance? Ne vous en faites pas. Ils nous feront confiance sur la base de notre bilan dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hydraulique villageoise, dans le domaine de l'électrification rurale, dans le domaine de la modernisation des villes, dans tous les domaines que vous prendrez, Inch'Allah. Merci. Donc, pour des soucis vraiment d'agir sur la temporalité, nous demandons à ce que les intervenants, même les militaires, un peu. Étant donné que nous venons de parler au bout de l'émission pour son question de l'insécurité, le camarade Mahamadou, donc, va être. Mahamadou essaie d'être un peu plus simple. Bien que vous soyez pour les autres. Et je dirais d'abord merci beaucoup. Et comme l'invité même a eu à le souligner, nous allons essayer d'être brefs et réalistes dans nos propos. Et le volet sur lequel moi je vais intervenir, c'est les questions de sécurité. Et ce n'est pas encore trop évident de le rappeler, l'Afrique subsaharienne, à l'image d'autres pays du monde, est en train de traverser une situation d'insécurité tellement cruciale qu'elle constitue aujourd'hui la préoccupation la plus essentielle de l'humanité du pays. Et le Niger, à l'image du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, ne fait pas exception à cette situation-là. La question que je voudrais poser très rapidement, il faudrait être simple et réaliste. De façon très réaliste, quand vous serez élu au président, il ne faut pas penser vous prendre en charge cette question de sécurité au Niger. Et je voudrais que oui, le débat soit directement interactif et pour que au fur et à mesure et nous puissions poser certaines questions et qui vont se lier, n'est-ce pas, aux questions que nous considérons comme des questions centrales. Je vous... on a deux foyers, vraiment. On a la zone de la Tchad, puisque vous venez d'en parler, la zone de Boko Haram. Vous savez, aujourd'hui, vous avez la plupart des villages le long de la Komadougou et le long du lac Tchad qui ont été désertés par leur population qui se sont pour la plupart retrouvés sur la RNR. Je ne sais pas si vous avez fait le voyage de Meïné jusqu'à Kapelewa. Vous n'avez que des camps de déplacés internes et de réfugiés nigériens. Nous avons toujours utilisé des militaires qui occupaient des positions statiques. Ils se sont fait souvent attaquer par Boko Haram. Ce que nous avons décidé, c'est que quand nous envoyons les jeunes militaires recrutés sur l'ensemble du territoire national,
et qui doivent rester plusieurs mois dans la région de Difa, ils se sentent totalement dépaysés, ils ne se sentent pas chez eux et ils n'ont pas beaucoup d'enthousiasme à faire face à la situation qu'ils avaient à prendre en charge là-bas. Nous en avons tiré une leçon qui consiste à dire le mieux désormais, c'est de comprendre que les voyous de Boko Haram qui viennent à pied la nuit, qui viennent à Garimwanzam, qui viennent à Kindjaïdi, qui viennent à Ngagam, qui viennent dans tous les villages là à l'ouest de Geskerou, ils viennent à pied, parfois à dos de chameau, parfois à dos de cheval. Ils viennent dans la nuit. Et nous, nos forces, la nuit, elles ne bougent pas. C'est des forces militaires, elles sont statiques. Nous avons donc décidé, permettez que je finisse, pas fini, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, puis je n'ai pas fini. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous allons prendre des jeunes gens de là-bas qui seront des forces de sécurité intérieure. Nous avons à cet égard un corps qui est tout à fait approprié, qui est la garde nationale du Niger. Nous avons pris 500 jeunes de la région. Ils sont en entraînement en ce moment à Bassora. Ils viennent de finir leur formation. Nous allons bientôt, au mois de décembre, les redéployer là-bas. Et moi, je fais le pari qu'en 2022, nous n'aurons pas un seul réfugié nigérien sur notre territoire et un seul déplacé. Je vais mettre en œuvre cette expérience des 500. Nous allons les déployer. Ils vont garder les villages. Nous allons retourner les villageois dans leurs villages pour qu'ils se livrent à leurs activités économiques et nous puissions enfin faire les investissements de relèvement et de développement économique de la zone. Voilà la formule que nous avons trouvée. Vous savez, au Burkina, ils ont trouvé la formule de Koilogo, de milices civiles, Konar. C'est pas bien. Nous, nous avons pris des Nigériens du cru, c'est-à-dire de la région, qui seront chez eux, mais qui sont formés dans le cadre d'une institution de sécurité de notre pays. Ce sera donc des professionnels, mais qui ont l'avantage d'être chez eux, qui ne seront pas dépaysés, qui ne seront pas là-bas pour un temps seulement, et qui sont pressés en comptant le jour de finir les délais qui leur sont impartis pour être là-bas et retourner retrouver leur famille. Eux vont vivre avec leur famille, dans leur environnement. Je vous assure que c'est une bonne recette, et vous en verrez les effets à partir du mois de janvier prochain, Inch'Allah. Si je comprenais, dire que la gestion de la question sécuritaire va être un peu plus tard. C'est donc le cas. Et n'envisagez-vous pas les conséquences que cela pourrait avoir si on donne, essaye de faire une certaine, de procéder de cette façon, où ce sont dans les zones concernées par cette insécurité, c'est de cette zone que les jeunes seront recrutés pour faire face à ce problème-là. Mais est-ce que dans l'avenir, ce contrôle ne peut pas avoir ce que je peux appeler la perte de contrôle de ces groupes-là, pas de groupe, de ces forces que vous envisagez former? Est-ce que cela ne pourrait pas dégénérer? Est-ce que la solution préconisée ne peut pas être totalement ou la situation peut être décontextualisée à telle enseigne que ces jeunes qui sont en train d'être formés, qui relèvent d'une zone bien précise, où ils se sentent vraiment chez eux, est-ce que cela ne peut pas avoir un autre avis? Non, et ce sera des gardes nationaux. Une fois que cette mission est terminée, et ils auront fait preuve d'efficacité, et qu'on a réglé le problème d'insécurité pour lequel ils ont été engagés, nous les affectons et nous les redéployons sur l'ensemble du territoire national. Ils ont un matricule national, ils n'ont pas un matricule local. Ils ne sont pas dédiés à la zone de façon éternelle. Ils vont être utilisés comme des agents d'un service public et ils se retrouveront à terrain. C'est de façon ad hoc, vraiment. C'est la solution que nous avons envisagée. Nous n'avons pas voulu recourir aux milices. C'est ça la formule que nous avons trouvée, mais c'est avec des numéros matricules nationaux. Et ils seront redéployés sur l'ensemble du territoire pour éviter les faits pervers que vous avez raison de relever éventuellement. Les faits pervers éventuels. Je voudrais évoquer un autre aspect. L'observation permettrait de dire que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité,
notamment le terrorisme qui se vit dans notre pays. Et il a été, justement, du point de vue du partenariat, de faire appel justement à certains partenaires, notamment les bases militaires étrangères qui sont ouvertes. Et comment expliquez-vous une mesure de lutte et de combat pour un peuple qui la conteste en même temps? Parce que quand vous me permettez certainement de faire le constat, assez de Nigériens, il y a eu même des mouvements qui ont voulu être menés pour contester la présence des bases militaires nigériennes. Est-ce que vous allez vous inscrire vous aussi dans cette même posture? D'autant plus que la population pour laquelle cette mesure a été prise conteste d'une certaine façon cette mesure-là. Comment allez-vous? La population, je ne sais pas c'est qui la population dont vous parlez. Je pense que je suis mieux à même que vous de comprendre ce que la population veut, parce que moi, j'ai un besoin d'être élu par la population, et donc, par conséquent, je ferai tout pour que je sois bien apprécié par la population et éviter tout ce que la population peut retrouver. Ne vous en faites pas. Il y a des gens très minoritaires qui contestent les bases pour des raisons idéologiques. Allahu Akbar. Très minoritaires. Allahu Akbar. Beaucoup de gens qui contestent les bases parce qu'ils ne comprennent rien. C'est tout, quoi. Ils ne comprennent rien. Donc, je vais vous dire, c'est vrai, beaucoup de gens contestent les bases sans comprendre quoi que ce soit. C'est les bases. J'ai dit, il y a une minorité, vous n'êtes pas concerné, vous êtes dans la deuxième catégorie de gens qui ne comprennent rien. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Tout simplement. Quand vous parlez de base, d'abord nous avons l'opération Barkhane. L'opération française Barkhane. Elle date de quand? C'est un avatar de l'opération Serval. C'est la nouvelle forme de l'opération Serval. Quand les djihadistes ont conquis le nord du Mali, bien des chefs d'État africains avaient demandé au président Hollande à l'époque d'intervenir pour sauver le régime de Bamako. Parce que c'était très clair que si au mois de janvier de cette année-là, c'est-à-dire 2013, les Français n'étaient pas intervenus, les djihadistes se seraient retrouvés à Bamako et ils auraient créé une situation de désordre qui déteindrait sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils disposeraient des ressources financières importantes, parce qu'ils accéderaient aux banques et tout notre système de l'IOMOA serait foutu tout simplement. Alors, la France était intervenue. Elle était intervenue, elle avait libéré Gao, elle avait libéré Tombouctou. On a déployé la MINUSMA par la suite et ils ont créé cette opération Barkhane qui se charge de toute l'Afrique de la zone du G5, c'est-à-dire le Tchad, le Niger et le Mali. Mais sans le problème malien, cette opération qui coûte assez cher, sinon très cher aux Français, ils ne l'auraient jamais consenti. Et vous avez quelques éléments de cette base ici à Niamey à cause de la proximité de l'aéroport de Niamey du théâtre des opérations terroristes. Voilà la raison pour laquelle il y a cette base française ici. C'est la géographie qui l'a dictée. C'est-à-dire que si on n'était pas proche de Gao, de Menaka et de tous les foyers du terrorisme, ils auraient choisi un autre pays. C'est pour des raisons de commodité purement géographique, rationnelle, auxquelles nous ne sommes pas insensibles quand des partenaires à qui nous avons demandé de venir au secours d'un État qui, s'il s'effondrait, nous aussi nous serions à terre, nous le demandent. Voilà pourquoi vous avez cette base française, des avions. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a jamais rencontré un soldat français. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a jamais rencontré un soldat français.
Vous n'avez jamais vu un seul soldat français ici. Ils sont à l'aéroport confinés. Ils montent dans des avions, ils volent, ils vont au Mali, ils frappent, ils reviennent, ils s'assoient ici. Je ne vois pas en quoi ça fait du tort aux Nigériens pour que le paysan de Tesco dise « Non, vraiment, vous, vous n'êtes pas des patriotes, vous avez des bases françaises. » Non. Le paysan de Tesco, c'est moi qui le connais, ce n'est pas vous. Donc, les Allemands, vous avez 52 Allemands, ils ont une base logistique. Ils ont une base logistique parce que Gao est plus proche de Niamey. Ils avaient hésité entre Niamey et comment il s'appelle, et Ouaga. Et puis ils ont trouvé qu'elle était plus commode que leur base logistique, comme ils sont partenaires à la MINUSMA, eux. C'est l'ONU. Donc ils ont 52 soldats qui accueillent les marchandises, les produits, l'eau, la viande, les boîtes de conserve, les appareils de communication, et éventuellement les armes. On leur amène là, c'est ça qu'on appelle base ici. Donc, je vais vous dire, l'Allemagne, elle abrite des bases américaines fortes de plusieurs centaines de milliers de soldats. C'est pourtant la troisième puissance du monde. Le Japon, il abrite une base militaire de plusieurs centaines de milliers de soldats américains. C'était jusqu'à très récemment la deuxième économie du monde. Elle s'est fait supplanter par la Chine récemment et l'Allemagne est la troisième. Maintenant, les Japonais, je crois, ils sont quatrième ou troisième entre eux et l'Allemagne. Je ne pense pas que le fait d'abriter des soldats étrangers soit une tare de nature à attenter à la capacité de développement d'un pays. Nous avons une base américaine, vous savez, là, nous avons fait un vrai pari. Dans le contexte de l'année 2012, où nous avons beaucoup de menaces, comme il n'y a plus d'État en Libye, les Américains nous ont dit qu'ils veulent avoir une base de drones qui va s'occuper de cet espace-là. Nous avons pensé que provisoirement, c'était quelque chose à faire pour protéger notre pays. Nous ne sommes pas assez forts. Nous n'avons aucune idée de ce danger-là. Il peut être très grand, de nature à nuire considérablement à notre sécurité. Nous avons laissé cette base de drones des Américains confinés à l'aéroport que personne ne voit là non plus et qui de temps en temps vont en Libye frapper des terroristes et ils en ont tué parmi les plus grands, je peux vous dire. Donc ça, là, nous, ça ne nous pose pas de problème. Ça ne nous pose pas de problème. Si vous, ça vous pose de problème, j'ai envie de savoir pourquoi. Et moi aussi, je me rendrai à vos arguments le jour où, de façon rationnelle, vous m'aurez convaincu parce qu'il y a tel inconvénient à cela. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je vois ces petits avantages dont je vous ai parlé et pourquoi ma conscience est quitte. Si aujourd'hui, j'ai la conviction que ça nous nuit à notre économie, ça nuit à notre richesse, ça nuit à notre dignité, je vous assure que nous allons y renoncer. Mais pour moi, ça ne nuit à rien, ça ne nuit à personne. Il y en a qui sont contre ça de façon idéologique. Et il y en a qui sont contre ça parce qu'on a dit que ça fait bien de dire qu'on n'aime pas les bases. Mais moi, ça, c'est pas ma vision des choses. Merci. Maman, je crois que je peux commencer ici. Pour ne pas. Alors, s'il vous plaît. Non, je donne la parole au papy. Alors, monsieur le président, nous avons l'habitude de poser la question à l'ensemble des candidats qui ont pu passer avant vous. Nous sommes à la cité Malabagadé. Malabagadé dit beaucoup de choses aux étudiants. Seulement, très désolé, ça fait trembler le cœur et quelque part ça touche le fond de l'âme. Parce que l'État avec nous, un jeune, rempli de rêves et d'espoir. Aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Il fait justement des luttes que nous avons engagées, des luttes que nous avons considérées comme étant des luttes justes et légitimes. Pourtant, nous a été arraché. Nous sommes dans un état de droit. J'entends par état de droit un état dans lequel on parle d'égalité de justice. On entend par justice la réglementation égale des conflits. Sinon, les différents. Un homme, sa vie a été injustement arraché. Nous pensons que jusqu'ici, justice n'a pas encore été rendue. Jusqu'à présent,
jusqu'aujourd'hui. Les étudiants veulent savoir quelle était cette question. Tout à fait. Je suis tout aussi triste que vous pour ce qui est arrivé. Que Dieu l'accueille en son royaume. J'ai d'autant plus mal que j'étais ministre de l'Intérieur quand Baghalé était décédé. Mais a été tué. Baghalé a été tué. Mais je vais vous dire une chose, vous pouvez ne pas me croire. Si moi j'étais sur terre ce vendredi 12 avril, pendant que les événements se passaient, c'était un lundi, merci beaucoup, le lundi 10 avril. Si j'étais sur terre, peut-être que Baghalé ne serait pas tué. Je vous assure. Parce que malheureusement, j'ai voyagé le soir, le matin j'ai pris un avion de Paris pour Pékin. Ça fait 13 heures de vol et quand j'ai atterri, tout a été déjà consommé. Moi, je n'aurais pas accepté qu'on agresse les étudiants jusque dans la cité avec un feu comme on n'a jamais utilisé. La quantité de gaz lacrymogène, je suis le ministre de l'Intérieur, on me donne la quantité de grenades lacrymogènes utilisées. Ce jour-là, il y a eu un abus et un gâchis des grenades lacrymogènes utilisées. La revendication était banale. La sortie des étudiants était banale. Un dispositif, oui, vous n'étiez pas menaçant. Vous n'étiez pas menaçant, je veux dire, vous n'avez pas de mauvaises intentions. C'est quelque chose de particulier. Croyez-moi, j'ai dit mes convictions, je les ai exprimées ailleurs. Il n'y avait aucun enjeu pour qu'on déploie cette armada. Si j'étais là, on vous aurait contré là-bas, loin. On vous aurait ramené, mais jamais entré dans la cité. J'ai interdit ça. Je ne pense pas, moi, pour avoir critiqué les autres de faire ça, je ne le fais pas. Je suis comme ça. Je ne peux pas faire quelque chose que j'ai critiqué. Voilà, donc, j'ai dit que le pauvre, Dieu avait décidé de le rappeler à lui ce jour-là. Il y a eu ce concours de circonstances. Après, on a mis en place une commission d'enquête. Qui était présidé par le professeur Khalid Ikri, le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Cet homme-là, je vous assure qu'il est au-dessus de tout soupçon. Il est intègre, il est honnête et il est têtu dans ses convictions droits de l'hommiste. Et il y avait les étudiants aussi. Ils ont mené l'enquête, ils ont découvert que c'est les gendarmes qui ont fait ça. Mais quel gendarme? L'enquête n'a pas pu le prouver. Voilà pourquoi le gendarme qui a commis ce crime n'a pas été identifié. Mais il n'y a pas eu de faux fuyants. Nous n'avons protégé personne. Si le jour-là, la commission nous avait indiqué qui était le gendarme, ça... Oui, non, les étudiants étaient dedans, ils étaient dans la commission. On n'a pas eu peur de mettre les étudiants. On n'a rien à cacher. Mais le gendarme qui a fait ça, il a contrevenu aux règles de maintien de l'ordre. Voilà la situation. Elle est aussi simple pour nous. Je vous assure, nous avons été meurtris, nous avons été indignés, nous avons été affligés et nous le sommes autant que vous l'êtes. Dans l'affliction, nous sommes à un niveau d'égalité parfaite, croyez-moi. Donc à présent, nous allons passer la parole à notre camarade Marie. Donc Marie, vous avez la parole.
Je suis Mangashi Kamaliama. Monsieur le Président, tout à l'heure dans vos propos introductifs, vous avez effleuré la question du chômage des jeunes. Ce qui m'amène à vous demander ceci. On a coutume de dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. On est même tenté de dire que c'est son présent. Malheureusement, l'impression qu'on a, le politique utilise ce terme comme un simple mot de passe. Et après les élections, les jeunes sont laissés à leur sort de chômage. Ma question est la suivante. Quelle politique comptez-vous mettre en œuvre de l'emploi des jeunes? Tout à l'heure, parmi les défis dont vous avez cité les quatre défis, je ne vous ai pas entendu parler de la femme, des enfants. Oui, alors, surtout de l'implication de la femme dans la politique. Alors, je voudrais connaître votre point de vue sur la participation politique des femmes au Niger. Monsieur le Président, la scène politique actuelle n'implique pas la jeunesse dans la gestion de la cité. Alors que des pays ou des institutions régionales font une large place aux jeunes. Alors, l'exemple de Burkina qui a adopté une loi qui a fait une large place aux femmes et à la jeunesse. Et également l'Union parlementaire africaine qui a adopté une résolution réservant un quota aux jeunes. Nous le soutenons. Et nous voudrons que ce soit ainsi même au Niger. Qu'en pensez-vous? Monsieur le Président, moi en tant que camarade fille, okay, je voudrais vous demander par rapport à la recente loi sur le quota qui accorde une proportion de 25% pour les fonctions électives. Si votre parti a respecté ce quota lors de la présentation des listes des candidatures à toutes les élections au Niger, une fois élu, pouvez-vous nous assurer que vous allez respecter le quota de 30% pour les fonctions nominatives? Aussi, Monsieur le Président, nous avons constaté que parfois les hommes politiques convoquent des réunions à des heures tardives, entre 3h voire 4h du matin. Parce qu'ils savent d'avance que les femmes ne peuvent pas patienter jusqu'à la fin de la réunion et attendent expressément le départ de ces mêmes femmes pour prendre des décisions importantes. Au Sénégal, par exemple, Monsieur le Président, les femmes politiciennes se sont mobilisées pour interdire les réunions nocturnes, lors desquelles des décisions importantes sont prises à leur insu. Une telle prise de conscience est-elle envisageable au Niger? Je vous remercie. Merci. Donc, on a déjà tapé comme ça la commission des affaires communes. On tape normal. Elle est ministre aussi d'idéologie, je pense. Ah oui. Merci, Mariama, pour vos questions. L'emploi des jeunes, je dis que c'est l'un des grands défis. Il a à voir avec la gouvernance. Je ne me suis pas étendu comme je l'aurais voulu sur la gouvernance. Je n'en avais pas eu l'occasion. J'en ai un peu désormais à partir de la question que vous venez de poser. Pour qu'il y ait de l'emploi
ils font la production des richesses. Aujourd'hui, notre économie est caractérisée par la prépondérance du secteur primaire, qui consiste en particulier dans l'agriculture et l'élevage. Or, les activités agricoles, telles que pour l'essentiel, elles ont lieu, elles absorbent de main-d'œuvre au demeurant peu qualifiée que pendant un temps trop court de l'année. Et tout le reste du temps, les gens sont plutôt désœuvrés et ne concourent pas véritablement à la création des richesses. Notre économie est caractérisée aussi par une prépondérance du secteur informel de l'économie, qui n'est pas générateur d'emplois lui non plus. Vous voyez, vous avez un secteur de l'économie qui est le secteur primaire, qui ne fonctionne qu'une partie de l'année et qui n'a pas besoin de main-d'œuvre qualifiée, même pour le peu de temps de l'occupation, de l'employabilité des personnels qui y opère. Et vous avez un secteur informel aussi, prépondérant, mais qui n'est pas très demandeur de main-d'œuvre. Et ça, c'est la grande difficulté de notre économie. Il faut faire le pari de diminuer la part du secteur primaire en améliorant la part du secteur secondaire et celle du secteur tertiaire, qui, eux, sont pourvoyeurs d'emplois. Et il faut formaliser aussi l'économie de façon que, justement, on crée de l'emploi. C'est ça le défi. Et le premier défi, c'est celui du cadre opératoire de la mobilisation de recettes internes. Aujourd'hui, dans la mesure où l'État est un grand pourvoyeur d'emploi, pour qu'il puisse assumer cette fonction, il faut vraiment redéfinir le cadre opératoire de mobilisation des recettes internes, de façon que nous fassions beaucoup de recettes. Ça, c'est un des défis de notre gouvernance. Et une fois que nous avons fait beaucoup de recettes, il faut s'assurer de la qualité de la dépense. Tout cela nous amène à lutter contre la corruption, la concussion, et éviter les dépenses inopportunes. Une fois qu'on a rationalisé tout cela, on a assez de ressources qu'on peut investir, même au public, de façon à absorber une partie de la main-d'œuvre jeune et même qualifiée. Il faut moderniser le secteur agricole. Il faut moderniser le secteur agricole en faisant quoi ? En exploitant les ressources hydriques disponibles de façon à avoir une agriculture sur toute l'année. Une agriculture qui se modernise par conséquent. Et pour cela, il faut faire en sorte que nous produisions des aliments pour les hommes et des aliments pour le bétail pendant toute l'année, en faisant de bons aménagements, en utilisant tous les eaux qui sont disponibles, de façon à produire pendant toute l'année, et de la sorte encore, dans le secteur rural, nous allons promouvoir des emplois pour les jeunes, qu'ils soient qualifiés ou qu'ils ne le soient pas. Nous avons aussi à utiliser de plus en plus les nouvelles technologies, de façon à les mettre à contribution et créer des emplois. Donc voilà les pistes vers lesquelles il faut s'orienter pour accroître les capacités de l'économie à créer des emplois et à absorber la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée de la jeunesse. Il faut promouvoir le secteur privé. Et il faut, comme je l'ai dit,
en promouvant la bonne gouvernance, favoriser les investissements directs étrangers, surtout dans les secteurs tertiaires et les secteurs secondaires. Parce que le passage du secondaire au primaire dans le domaine de l'agriculture est très facile. Une fois que vous utilisez de l'énergie et que vous exploitez assez d'eau, le secteur du primaire passe au secteur du secondaire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous visitez les foires agricoles, vous avez des femmes qui vous présentent beaucoup de produits transformés dans le cadre des technologies qu'elles maîtrisent, mais à petite échelle, vous le savez très bien. On vous fait de l'huile de Adoua, on vous fait de l'huile de Nîmes, on vous fait de l'huile de n'importe quoi. On vous fait toutes sortes de produits qui est transformé, mais ça reste à des échelles très petites. Ce sont les femmes en général qui font cette activité. Il faut que l'État investisse de façon à accroître cette échelle et faire en sorte que nous transformions notre agriculture et que et c'est ça mon programme agricole, et que nous spécialisons et que nous spécialisions la transformation des produits en fonction des avantages comparatifs que possède chacune de nos régions dans tel ou tel produit. Il y a des régions où ce sera le riz, il y en a dont ça sera la viande, dont ce sera le moringa, il y en a, etc., etc. Vraiment, surtout de l'emploi des femmes dans l'agriculture, les femmes nous donnent l'exemple. Il y a des créneaux, il s'agit seulement d'accroître l'échelle dans laquelle, justement, ces transformations peuvent se faire, assurer aussi, évidemment, les mécanismes de la commercialisation, ce qui veut dire qu'il faut aussi assurer les routes qui vont permettre le transport pour la commercialisation, et ainsi de suite. Ça, c'est un grand défi dans le cadre de la ZLECA pour notre pays. Donc, transformer nos produits agricoles à partir des technologies qui sont déjà inventées sur le tas par des femmes, mais qui sont des entrepreneurs à une toute petite échelle. Et l'État se doit de faire les investissements pour accroître le niveau de l'échelle en question. En plus, évidemment, la bonne gouvernance, une fois de plus, c'est-à-dire faire davantage de recettes publiques, favoriser les investissements directs étrangers, promouvoir le secteur privé de façon que lui aussi procure des emplois aux jeunes, ce sont tout cela les conditions dont il faut favoriser l'éclosion de façon à créer des richesses et assurer les emplois sur les jeunes. Voilà quelques éléments. Mais mon programme est très détaillé dans chacun des secteurs. À cet égard, nous avons le grand problème, c'est celui de l'énergie. Nous avons quelques idées sur l'énergie également. Vraiment, nous allons mettre l'accent sur la mise en œuvre du chantier de Salkadamna de façon à produire au moins à terme 600 MW chaque année à travers ce grand projet industriel qui sera le plus grand projet industriel. Promouvoir d'autres projets industriels également et ainsi de suite, mais surtout vraiment moderniser la production agricole et la production dans le domaine de l'élevage. Maintenant, la fin. Tout à l'heure, quand je parlais de réformes dans le système de l'éducation, j'ai oublié de mentionner l'une des idées à laquelle je tiens le plus. C'est de construire des internats pour les jeunes filles dans les CEG ruraux. Je mettrai un point d'honneur et je mobiliserai toutes les ressources qu'il faut. Parce que qu'est-ce qui se pose comme problème? Dans un village, une fille admet à l'entrée en sixième. Elle doit se déplacer pour aller dans un autre village. Elle n'a pas de tuteur. Elle est obligée de refluer, de revenir à la maison. Et quand elle revient à la maison, c'est pour qu'elle se marie. Une fille à 13 ans, elle est particulièrement féconde. Elle accouche au bout d'une année. C'est-à-dire à 14 ans, elle a un enfant. À 15 ans et demi, elle a un autre enfant. À 17 ans, elle a un enfant. Si vous gardez la fille à l'école, parce que vous avez créé les conditions à cet effet, dans des internats où vous vous occupez d'elle et où elles ont des chances de durer, d'apprendre et d'aspirer à une autre vie, rien que de la garder à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, vous lui épargnez deux couches totalement dangereuses et vous diminuez le taux de fécondité synthétique par femme de 2. Nous sommes à 6,7%, nous aurons donc une moyenne
qui va descendre et nous serons à terme dans une logique de transition démographique. Donc, c'est très important. Jusqu'à présent, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, jusqu'à présent, nous avons un ministère de la population qui ne fait rien. Il est totalement aérien. Il est totalement aérien. Vraiment, c'est une institution qui n'a pas de base. Dans mon programme, avec le professeur Habibou, dans mon programme sur la santé, moi j'ai décidé de ramener le ministère, Mariama, j'ai décidé de ramener le ministère de la population à la santé. Et grâce à l'éducation, la construction des internats pour les CEG ruraux, je vais conserver les filles à l'école longtemps en tout cas. Et tous les personnels du ministère de la population seront avec le ministère de la santé, parce qu'après tout, c'est au niveau des maternités et des CSI qu'on a les contraceptifs. Et c'est par là qu'il faut passer, ça va être le vecteur que nous allons utiliser pour nous occuper de la problématique de la santé de la reproduction des femmes. Et nous avons de la sorte la possibilité de réduire singulièrement le taux de croissance démographique. Parce que le problème du Niger, il faut que vous le sachiez, quand nous avons été indépendants, nous étions à peu près à combien, grand frère? On était à 3 millions. Le Sénégal était à combien de millions? Le Sénégal était à 4 millions, je suis convaincu. 3 millions quelque. Aujourd'hui, le Sénégal est à 14 millions, nous on est à 22 millions. Quand vous partagez quelque chose entre 14 personnes et 22 personnes, elles n'auront pas la même chance. Mais eux, comment ils ont fait? C'est un pays musulman comme nous. Mais ils ont une école plus performante que la nôtre, qui retient les filles. Et quand l'école ne marche pas, les populations se défient de l'école. Elles doutent de l'école. Elles n'y ont pas envie. Quand, il y a quelques années, j'ai réuni les ulama ici, je leur parlais de l'éducation de la jeune fille. Il y a l'un d'entre eux, il m'a dit, mais monsieur le ministre, vous êtes en train de nous parler comme moi, les années 60, quand on nous sensibilisait pour l'école. Mais vous pensez que nous ne savons pas que l'école est importante? Vous ne croyez pas que j'aurais voulu que ma fille soit à votre place, ministre de l'Intérieur? Moi, je le voudrais. Mais seulement, votre école, elle ne donne rien à nos filles. Et nous n'avons aucune raison de laisser traîner dans une école qui ne leur donne rien. Et nous sommes par conséquent obligés de les marier. Vous dites qu'on n'implique pas trop les femmes et trop les jeunes. Vous savez, je veux vous dire, très honnêtement, les femmes dans notre société sont victimes d'un régime patriarcal implacable qui les met dans une situation de minorité éternelle. Quel est le remède à cela? C'est l'école. C'est l'école. La lutte contre le patriarcat, tel qu'il s'exprime dans notre société, où la femme est considérée comme inférieure à l'homme. C'est notre société, ça. C'est très clair. Et la femme, depuis sa tendre enfance, est traitée de façon à accepter qu'elle est inférieure. Elle est traitée de façon à accepter la femme qu'on soit à la fin un complexe et assume son infériorité. Tout simplement, c'est ça la réalité de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Le seul moyen pour nous de lutter contre ça, c'est de faire en sorte que les filles réussissent à l'école, et c'est par l'école seulement que nous allons lutter contre les effets du patriarcat tel qu'il est à l'œuvre dans notre société et tel qu'il mutile nos femmes, tel qu'il mutile nos filles, tel qu'il les complexe, tel qu'il les rend comme étant des personnes totalement mineures. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez dans cette foule, vous avez très peu de femmes. Ça, c'est déjà le travail du patriarcat, les effets de cette mentalité, que les femmes n'ont pas vocation
à faire de longues études, que les femmes n'ont pas vocation à diriger la société. Nous avons cette mentalité. Et aujourd'hui, nous avons de grandes difficultés, même pour les postes électifs, de faire la place qu'il faut, conformément à la loi relative au quota de 25% aux femmes. Parce que les hommes n'aiment pas que les femmes soient devant. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, nous ne pouvons rien. Et quand nous donnons un poste à une femme, la section en question, c'est entre les communes. Quand nous décidons, par exemple, à Maradi, à Guidan-Rouge, on va donner à Chadakouri le siège de femme députée. Les camarades de Chadakouri sont très fâchés. Nous sommes obligés de les supplier, leur dire que c'est la loi dont Allah Kouihakouri, la prochaine fois, ça sera ça et sa poids, et ainsi de suite. C'est ça la réalité de notre société. Mais nous devons lutter contre. Nous devons lutter contre, mais le meilleur moyen de lutter contre.